Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans le Talk sur Web Girondins. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h pour parler des Girondins de Bordeaux avec une belle équipe ce soir. Monsieur Gino Forte est avec nous. Salut Gino. Salut Nico, salut à tous. Comment ça va Gino?
Encore une fois. La question n'a pas posé, je suis désolé. Pas super au niveau footballistique, hein, bien sûr. Donc, on fait ce qu'on peut, mais le match a été très, très compliqué à vivre encore une fois dimanche. Jonathan D'Agostino est là. Salut, Joe. Salut, bonsoir à tous. Celui que toutes les femmes admirent, et les hommes aussi, peut-être. Merci de préciser les hommes. Oui, on ne fait pas de discrimination. Pas de discrimination. Oui, tout à fait. Monsieur Samuel Vasselin du Club des Cinq est là. Salut Samuel. Salut à tous. Comment ça va Samuel? L'ombre, dans l'ombre. Hein. Là, tu es dans le noir, là, tu as mis la cape. Non, mais en fait, comme c'est le confinement, j'ai mon halogène, l'ampoule de mon halogène qui a pété. Ah mince. Du coup, j'ai dû mettre la lampe de chevet qui fait moins de lumière, effectivement. Voilà, pour raconter toute ma vie, vous voyez qu'il n'y a pas que des galères footballistiques, il y a aussi des galères électroménagères. C'est vrai, c'est vrai. Merci d'être avec nous. Et il est en direct du cockpit, monsieur Conan Edogawa. Salut Conan, comment ça va depuis le cockpit? Ça va très bien. Bonsoir ladies and gentlemen, bienvenue à bord de notre avion de Airline Girondin, en direction de Web Girondin. Je vous demanderai à tous de vous installer dans vos sièges, d'attacher vos ceintures, nous allons nous parer pour le décollage. Magnifique, magnifique Conan. Il est là avec la casquette, on remercie Fabrice. Ouais. Pour la casquette. Compagnie low cost en ce moment. Hein. Merci Fabrice. Oui, la compagnie Girondin, oui. Mais Fabrice Solan de déguise.com, allez commander sur son site. Il s'est payé, Fabrice, alors qu'il était partenaire du TOC. Les deux jours, les deux plus gros jours avant Halloween, il s'est payé à fermeture du magasin. Bon, bref. En tout cas, on le salue. Et on remercie pour la casquette. Écoutez, on salue toutes celles et ceux qui sont sur le chat. Salut à vous, comme d'habitude. Envoyez du like pour nous aider et merci d'être là. Conan est là pour relever vos questions et faire la modération, comme d'habitude. On salue aussi notre partenaire, Coach Vegas, Vegas Training. Vous avez vu, on en parlera tout à l'heure, qui est partenaire de cette émission avec une super offre pour vous. C'est pas du téléachat, hein. Mais une super offre, vous verrez, comme c'est confinement, pour ceux qui travaillent à la maison au cours du temps, ou même si vous n'êtes pas confiné, il faut faire du sport et on a une super offre. Surtout que Coach Vegas, c'est lui qui a remis en forme Naoufel, Hassef tout cet été. Et on voit qu'il débute parfaitement son championnat au Portugal. Bref, on en parlera tout à l'heure. Alors, le menu de ce talk, les enseignements avec le retour sur Monaco et une question, est-ce que Jean-Louis Gasset est responsable de la défaite? Je sais que parmi les participants, il y en a qui ne sont pas d'accord. Donc on verra les débats, on fera les enseignements, les notes. On aura Joshua au téléphone, Rémi et Johan pendant toute cette émission, trois intervenants. Ensuite, deuxième partie, on posera la question de l'effectif. Vu que Jean-Louis Gasset a indiqué que Bordeaux jouait le maintien, mais moi, messieurs, je vous pose la question. Quelle est la valeur de l'effectif des Girondins? Est-ce qu'il est taillé pour être le top 10 ou est-ce qu'il est taillé pour jouer le maintien? Donc on en parlera. Troisième partie, question d'actualité. Oui, alors elle revient de temps en temps sur le tapis. Est-ce que les joueurs des Girondins ont-ils encore le respect du maillot? Voilà, je vous poserai la question avec ce petit incident sur les réseaux sociaux, mais même sans ça, c'était déjà au programme. Donc même s'il n'y avait pas eu ce tweet, ce post Instagram liké. Et enfin, on terminera par Bordeaux-Montpellier. Un match à la portée des joueurs. Est-ce que c'est un match à notre portée? Est-ce que c'est notre championnat ou est-ce que Montpellier, c'est encore trop haut pour Bordeaux? On en parlera ensemble. Messieurs, un avis sur ce programme? On va pouvoir tout balayer. On va pouvoir tout balayer. Alors, j'avertis les internautes et les spectateurs que tu m'as dit, Samuel, avant, je vais sortir la mitraillette. Ce soir. Ouais, alors c'était peut-être pas le bon terme en ce moment vu les événements. Donc effectivement. Le karcher, on va dire. Ouais, non, voilà, le vitriol. Ouais, j'ai cru que t'allais dire autre chose, Joe, là, on est mal parti. En tout cas, je suis pas content. Bon. Est-ce qu'on commencerait pas par les enseignements ensemble? Ouais, ça y est, on est presque à s'en connecter. Allez, envoyez du like, ça nous donne de la force hein, sur la vidéo et partagez-la. On va commencer par les enseignements. Alors, messieurs, les enseignements. C'est juste que vous avez retenu, on ne développe pas trop pour qu'on garde après pour le débat. Je vais commencer par toi, tiens Samuel. On va voir si tu vas te retenir sur les enseignements et si tu ne vas pas sortir déjà la mitraillette. Qu'est-ce que tu retiens de ce match? Je retiens rien. J'ai Bordeaux à pas jouer. Bordeaux s'est fait ouvrir en 6 minutes.
Après 25 minutes où ils n'ont rien fait. Et après, ils n'ont rien fait pendant, bah, du coup, c'est quoi, 36e minute. Donc, après, ils n'ont rien fait pendant 60 minutes. Donc, je retiens rien. Je retiens qu'il y a eu un néant total. Il y a eu une compo pour moi qui a été ratée. On va en parler. Tout a été… Voilà, il n'y a rien. Il n'y a rien eu. La seule chose qu'il y a eu, c'est des erreurs. C'est des erreurs avec des joueurs qui n'ont pas été au niveau tout simplement de ce match. Et voilà. Et c'est ce que je disais la semaine dernière rapidement. Je disais, attention Monaco, il faut… Faut être bon dans le début de match parce que ils vont envoyer des assauts comme la semaine dernière à Lyon sur la première mi-temps et faut essayer en deuxième mi-temps de maintenir le 0-0 et d'aller chercher à partir de la 60e la faille. On n'a rien fait, il y avait aucune animation défensive, offensive, il n'y avait rien au milieu, il n'y avait rien en attaque, il n'y avait rien derrière. D'accord. Voilà, il n'y a rien à retenir. C'est une catastrophe. Gino. Ben pour moi, c'est la honte. Le premier, c'est un match honteux. Une prestation catastrophique avec encore une fois Bordeaux qui est la risée de la Ligue 1, c'est-à-dire on est le club le plus moqué en France actuellement. Le deuxième, c'est des joueurs qui sont sans orgueil ni talent. Le talent, on y est habitué, mais l'orgueil, on peut se demander pourquoi en deuxième mi-temps on est incapable de marquer un but et de faire encore des occasions pour au moins essayer de revenir au score, surtout quand on prend 3-0 face à un bon Monaco, il est vrai. Et ensuite, c'est Jean-Louis Gasset. Je me poserai la question, on y reviendra tout à l'heure. Est-ce que c'est le bouc émissaire idéal, encore une fois cette saison, qui va cacher tous nos problèmes? Très bien. Tu étais parmi les deux personnes qui pouvaient débattre sur le thème de Jean-Louis Gasset. Joe. Ben, moi, je retiens qu'on a réussi à faire mieux que contre Lens et l'OM. Je m'explique, on prend 2 buts en 5-10 minutes à Lens et Marseille. Là, on en prend 3 en 6 minutes, donc on a battu un record. C'est plutôt pas mal cette saison, on s'améliore à ce niveau-là. Le deuxième point, c'est qu'est-ce qui se passe dans le match à Rennes, alors. Oui, non, ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, c'est ça. Et on va prendre 4 en 4 minutes et puis comme ça sera bon. Non, après, il y a le qu'est-ce qui se passe dans la tête des joueurs. Je comprends pas comment les mecs qui peuvent être remplaçants font des bonnes rentrées et dès qu'ils sont titulaires, sont catastrophiques et cataclysmiques et transparents. Je comprends pas cette différence entre les joueurs qui rentrent et quand ils sont titulaires et l'effondrement qu'il y a eu, clairement. Et le troisième point, ben ouais, c'est Gasset. Il s'est complet effectivement. Il s'est planté sur la compo. La tactique aussi, clairement. Mais ses réactions derrière montrent aussi qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre lui et les joueurs, pour moi. Ok, bon, bah écoute, parfait. Conan, des réactions sur le chat? Je ne te demande pas ton avis, Conan, on a fait le débrief hier ensemble. Est-ce qu'il y a déjà des réactions sur le chat? Oh, bah, beaucoup qui parlent de matchs de merde, d'équipes honteuses. Je crois qu'ils sont tout autant dépités que nous, en fait. Bon, allez, on attaque le vif du sujet. Est-ce que Jean-Louis Gasset est responsable de la défaite? On l'attaque comme ça, sous cet angle-là, et après on développe. Samuel, je te donne la parole, et je pense que tu vas être en opposition avec Gino, peut-être, sur ce débat-là. Samuel. Bien évidemment que quand une équipe prend 4-0, que quand une équipe prend 3 buts en 6 minutes... et que pour la deuxième fois d'affilée, pour le deuxième dimanche d'affilée, tu changes un tiers de ton équipe avant la 50e minute, bien sûr que l'entraîneur, il est responsable. À un moment donné, la chaîne de responsabilité ne doit pas être cassée. Moi, je pense qu'on va le dire tout au long de l'émission, l'attitude, le niveau, le comportement et le talent de certains joueurs sont à remettre en question depuis très longtemps. Si on est en désaccord avec Gino sur ce thème, on sera au moins d'accord sur une chose, c'est qu'on le dit depuis maintenant un an et demi. Mais bien sûr que pour moi, Gasset, il a une grosse part de responsabilité hier. Déjà par le fait qu'il remette cette compo, la même qu'à Marseille, qui n'a pas marché, qui a prouvé ses limites, qui a prouvé qu'on était incapable de jouer en contre. La seule action qu'on a en contre à Marseille, c'est le but hors-jeu de Ben Arfa. Il est hors-jeu, donc c'est une action où c'est mal joué, du coup, puisqu'il est hors-jeu. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on ne s'était pas créé une occasion à Marseille avant la rentrée de Briand et Maja. Il refait la même chose à Monaco, alors que Monaco, c'est une équipe qui est dans un doute monstrueux en défense. Monstrueux. Ceux qui ont regardé la semaine dernière Monaco-Lyon, ils ont vu que c'était une défense qui était peut-être encore plus peu rassurée et à l'agonie que la nôtre. Enfin, nous, au contraire, je dis ça, c'est pas vrai, Bordeaux a plutôt derrière une bonne défense. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il y avait un secteur sur lequel on pouvait leur faire mal, c'était la défense. Et s'il y avait un secteur sur lequel leur secteur le plus intéressant, c'est le secteur offensif. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on s'est dit, on va surtout pas mettre nos qualités en avant et essayer d'aller appuyer sur leurs faiblesses. On va tenter de renforcer un petit peu notre secteur à nous fort, c'est-à-dire la défense, en jouant très très bas, en ne cherchant pas à ressentir les ballons, en remettant Wang Weizhou
qui est, mais j'ai même pas envie d'être méchant, mais qui est fade quand il joue, qui sert à rien, qui ne sait pas faire une course. Je l'aime beaucoup pourtant, moi je l'ai beaucoup défendu au début, hein. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune course qui est bonne, la preuve sur la seule opportunité en première mi-temps, il n'y a aucune passe qui est bonne, il n'y a aucun centre qui est bon, il n'y a aucune frappe qui est tentée. Rémi Houdin, on l'exile sur un côté en lui disant bah, « de toute façon, là, tu vas devoir aider Sabali, donc cours ». Et on met Ben Arfa Adli, alors que justement, ce qui a bien marché la semaine dernière, c'est d'avoir Ben Arfa Adli qui jouait au milieu de terrain et qui créait des brèches parce qu'il y avait un attaquant devant. On dit Ben Arfa Adli, on dit « Bob, ah ouais, vous êtes pas mal, vous, avec le ballon, vous êtes deux artistes, allez, éclatez-vous. Si vous avez le ballon, essayez de faire une frappe de 40 mètres ou un rush de 50 mètres et on verra bien si on y arrive ». Ouais, il est responsable parce que hier, franchement, il y va à Monaco avec une attitude qui est déplorable. Et il est en grande partie responsable du score. Et j'en parlerai après, mais ses déclarations d'après-match aussi, il faudra expliquer deux, trois trucs parce qu'il y a des choses qui ne me plaisent pas. Bon, on en parlera après. Gino, je te laisse répondre parce que toi, je sais que tu as la vie inverse. Alors, c'est plus complexe que ça. Je suis assez d'accord avec ce que dit quand même Samuel sur le match. Je pense que Gasset se plante, notamment sur l'équipe et sur la manière dont on joue, quoi. En fait, on joue très très bas, trop bas pour faire quoi que ce soit. On n'a aucune ambition dans le jeu et on voit bien que sur les choix sont pas bons. Donc notamment le fait d'avoir Ben Arfa en neuf qui a été pas bon et Adli un peu plus haut, ce qui n'a pas du tout fonctionné. Mais pour moi, c'est quand je parle de Gasset qui serait un bouc émissaire, c'est-à-dire qu'il va cristalliser encore tous les manques qu'on a dans l'effectif, une fois ça, de plus. Je suis d'accord, absolument. Et voilà. Et le souci, c'est que c'est les mêmes débats qu'on a eu, et Sam l'a très bien dit, déjà avec Souza, et bien avant avec les autres prédécesseurs, c'est que ça masque totalement la faiblesse de cet effectif qui n'a aucun, presque, moi j'ai envie de dire, talent pour le haut niveau pour l'instant, pour jouer en Ligue 1, pour moi, c'est clair, et aucune envie en plus d'avoir cette ambition de le faire. Et Koscielny l'a très bien dit dans son interview d'après-match. Il faut avoir de l'ambition, ils n'ont pas d'ambition et ils n'ont même pas de fierté à être au moins au niveau pour se donner les moyens de le faire. Donc pour moi, Gasset, il ne faut pas qu'il masque tout ça. Et je vois beaucoup de supporters qui lui en veulent par rapport au match. Je suis d'accord, mais il faut faire attention à ce qu'on va dire et attention encore de ne pas se tromper de sujet comme on l'a fait avec Souza. Et quand on le disait, bien sûr, que l'effectif était très faible, il était trop faible, et que Souza le disait, et qu'on me disait, mais non, c'est Souza, il fait jouer des pistons, ça va pas, ceci, cela. Et finalement, on se rend compte qu'en fait, ah ben non, l'effectif, il est très, très faible à Bordeaux. Et encore une fois, c'est un entraîneur qui le dit. Donc, est-ce que c'est encore une fois un entraîneur qui est totalement incompétent? Moi, je pose la question, c'est tout. Ah, mais ça, je suis à 100% d'accord, Dino. Et juste pour aller rapidement dessus, Nico, moi, sur Souza, j'y pensais encore hier. C'est pas un pris parti. Moi, je m'en fous de Souza. Je m'en fous que ce soit un entraîneur qui soit beau, qui soit étranger, qui soit si. J'en ai rien à faire. Moi, ce qui m'a intéressé avec Souza depuis le début, et je l'avais dit, c'était ce discours de parler de changer de mentalité, parler de changer de philosophie et de pourquoi on joue au foot, pourquoi on joue pour un club. Et ça, au final, et j'en tiens en partie responsable certains supporters, surtout ceux qui ont commencé à très rapidement, je ne parle pas de personnes comme nous ici, des observateurs qui débattons, je parle vraiment de ceux qui peuvent avoir du poids au club, qui ont réclamé son départ très rapidement parce qu'ils n'étaient pas contents de voir un 3-5-2, ils préfèrent voir le 4-4-2 des années 80 avec lequel ils ont grandi et avec lequel ils ont joué en district jusqu'à 13 ans. Dès qu'ils voient un autre système, ça les traumatise. Moi, ce qui m'a agacé avec Souza, c'est qu'on ne lui a pas laissé le temps de le faire. Et surtout, le gros problème, c'est que tout ce qu'il a dit, c'est vrai. Quand Gasset, en sortie de match, il nous explique qu'à Bordeaux, le groupe de 30-32 joueurs, la semaine, ils viennent, ils jouent à la baballe et ils attendent juste de savoir qui est sur la feuille de match. Et après, c'est moi, cool. Mais en fait, je parlais de district, c'est un peu ça. Hein. Ah, c'est moi qui joue ce week-end, cool. Ah, c'est pas moi, c'est bon, je peux mettre une caisse la veille. Alors, c'est un peu ça. Quand il nous dit on joue à la baballe et les mecs attendent juste de savoir qui va être convoqué dans le 11. Et après, s'ils sont là, tant mieux. S'ils sont pas là, ils rentrent, ils essayent de bien faire, etc. Et ça correspond d'ailleurs aux performances qu'on vient de voir sur les dernières semaines. C'est ça. Hein. C'est les entrants qui sont potables parce qu'ils sont peut-être un tout petit peu vexés dans leur orgueil, touchés dans leur orgueil de pas jouer. Mais toute cette attitude-là, elle est là. Il n'y a pas de professionnalisme, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de détermination, il n'y a pas d'amour propre. Et ça, c'est un mot que Laurent Koscielny a dit et qui est très important. C'est qu'hier sur le terrain, c'est le seul que je voyais, ça le faisait chier de prendre 4-0.
ça le faisait chier de se dire, il y a des mecs en face de 17, 18, 19 ans, je pense notamment à Tchouaméni ou à Fofana, ils sont en train de me marcher dessus alors que je suis un père de famille. Alors que moi, j'ai bouffé des mecs en première ligue, là, ils sont en train de me marcher dessus. Jelson Martins, il aurait dû prendre un an de suspension, il n'a pas touché un ballon depuis 8 mois, il me marche dessus. Voland, il n'a pas touché un ballon depuis 6 mois, il me marche dessus. Mais il n'y avait que lui qui était traumatisé par ça. Tout le reste, ils n'en avaient rien à foutre. C'est pas grave, la semaine prochaine, on jouera à Montpellier à la maison, on fera un partout, on marquera sur un pénalty, la vie sera belle, et voilà, et après on se dira c'est plutôt bien. Après, la semaine d'après, sera Rennes et PSG, on dira bah, c'est pas grave, c'est des équipes de C1. Tout le monde s'en fout, en fait, dans les joueurs. Et Gasset, hier, il a donné l'impression qu'il en a rien à foutre aussi, mais il a surtout déjà donné l'air d'être abattu. Et là, c'est très grave. Parce que s'il est déjà abattu, au bout de 9 matchs, hein, ok. Bah ouais, il y a peut-être la Ligue 2, hein. Ça peut arriver. Non, je pense pas, mais bon, on en parlera tout à l'heure sur la valeur des joueurs, sur le thème sur la valeur des joueurs. Joe, ton avis là-dessus, sur cette question? Quand tu prends 4-0, tu peux pas dénigrer que le coach s'est planté. Ça, clairement, maintenant, s'il n'y a pas de péno, est-ce que le match finit à 4-0? Parce que Monaco n'est pas super non plus. Le match, enfin, la première demi-heure, les deux équipes, franchement, il ne se passe pas grand-chose. Donc, le match, il peut rester à 0-0 comme Bordeaux peut marquer sur une frappe contrée derrière. Moi, ce qui m'inquiète, c'est l'effondrement qu'il y a eu. Et Gasset avait réagi contre Nîmes parce qu'on n'avait pas pris de but aussi avant. Si on avait pris un but contre Nîmes, peut-être que ça aurait été la même galère derrière aussi. Il s'est planté contre Nîmes sur la compo. Il se plante encore là, effectivement. Maintenant, il s'est aussi planté pour moi sur la tactique. Et il tente on voit que les attaquants, à un moment donné, ils essayent de presser au début du match quand la défense a le ballon. Mais tu vois que le bloc, il ne remonte pas. Tu as deux, trois attaquants qui y vont et tu vois que l'équipe, elle ne suit pas derrière. Donc, il tente quelque chose avec, je pense, effectivement, à Temel Afa pour essayer de conserver le ballon plus haut. Je ne pense pas qu'il ait demandé à Adli, par exemple, de faire une passe dans ses 30 mètres, une passe latérale à Otavio, juste devant sa surface. Ça, je ne pense pas que ce soit la faute du coach, cette erreur-là. C'est la faute du joueur, clairement. Maintenant, effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. La réaction de Gasset, on sait comment il est. Effectivement, il a pété un cap derrière parce que je pense que les joueurs n'ont pas écouté du tout ses consignes. Parce que tactiquement, c'était... On ne sait pas trop ce qui a été demandé, ce qui devait être fait. Donc, je comprends qu'il soit en colère. Oui, il s'est planté. Mais qu'est-ce qu'il aurait pu faire d'autre, à part peut-être l'attaque, à part peut-être le système offensif? Défensivement, je ne vois pas. Et la problématique a été défensivement, cette fois, si tu prends un but, tout le monde s'effondre en 5 minutes. Donc, voilà. Après, on connaît les problèmes de cet effectif. Paulo Sousa, là, effectivement, en avait parlé. Il n'avait pas su réagir. Gasset essaye, mais pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose non plus. Ah, est-ce qu'un coach pourrait y arriver? J'en sais rien. Maintenant, oui, il est responsable. Mais les joueurs ont quand même une grande partie dans ce match parce que dès qu'il y a eu le but, on a vu l'effondrement complet de l'équipe. Et ça, c'est pas la faute du coach pour moi. Allez, messieurs, on accueille. Et ensuite, Gino, on pourra réalimenter ce débat. On accueille Joshua, supporter des Girondins, qui est le premier intervenant dans ce talk. Il y en aura 3. Joshua, bienvenue à toi. On t'écoute. Bonsoir, messieurs. Merci de m'avoir invité déjà. Eh bien, écoute, t'es le bienvenu, on t'écoute. Alors, pour répondre à ta question, est-ce que Jean-Louis Gasset est responsable? Écoute, pour moi, c'est évident qu'en tant qu'entraîneur des Girondins de Bordeaux, quand ton équipe est l'auteur des performances dont on a eu droit hier, mais également, n'oublions pas, face à Marseille et face à Lens, pour moi, c'est évident qu'il a une part de responsabilité là-dedans. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des principes de jeu qui sont mis en place, il y a des choix qui sont faits, qui sont même sûrement pas les bons. Pour revenir sur le match d'hier, moi l'année dernière, je fustigeais beaucoup Paulo Sousa parce qu'à un moment donné, il semblait incapable de changer son schéma tactique alors que les choses semblaient ne plus fonctionner, qu'il était incapable de s'adapter. Et bien là, c'est exactement l'inverse. On a envie de dire à Jean-Luc Gasset, si au bout d'un moment, tu mises pas sur un peu de continuité, on va pas s'en sortir. Par exemple, moi, je me suis demandé pourquoi, je pensais sincèrement qu'il allait aligner la même équipe qui a gagné la deuxième mi-temps face à Nîmes. Donc ça, c'est une première chose, et que Gasset ait sa part de responsabilité là-dedans, je le conçois totalement. Maintenant, moi, j'aimerais juste rappeler quelque chose de très simple, c'est que Gasset, il est là, si je ne m'abuse, depuis 2-3 mois. Et donc c'est tout à fait naturel de tirer un premier bilan de son arrivée. Mais enfin moi, il y a un constat qui me semble beaucoup plus probant et beaucoup plus dramatique.
c'est que les contre-performances à répétition et les phases de jeu totalement cataclysmiques auxquelles on a eu droit, je pense qu'elles sont bien antérieures à l'arrivée de Jean-Louis Gasset. D'ailleurs, Jean-Louis Gasset l'a rappelé hier, ça va faire 2 ans qu'on n'a pas gagné 2 matchs d'affilée en Ligue 1. Et ça en dit long quand même sur l'état de mentalité de cette équipe, de ce collectif. Je voudrais juste... tout ça pour dire que moi, j'ai la sensation que le match d'hier, la façon dont on l'a abordé, c'est-à-dire la même façon dont on a abordé le match face à Lens ou face à Marseille, on peut parler des choix tactiques de Gasset, mais j'ai l'impression qu'on l'aurait perdu quoi qu'il arrive ce match. Parce qu'on n'a pas le niveau mental et l'état... Même pour une faute professionnelle, ce qui s'est passé hier, mais comme on le voit beaucoup trop souvent, malheureusement, maintenant. Et Nico, il faut le rappeler, les 2 fameux matchs qu'on a gagnés consécutivement en Ligue 1, vous vous en souvenez ou pas? Non. Ouais, moi, j'en souviens, j'ai vérifié. Enfin, Bordeaux-Angers, c'était hiver 2019. Donc, c'est Bordeaux-Angers, c'est un match en retard. C'était à l'époque des Gilets jaunes où les matchs avaient été reportés. Bordeaux-Angers, donc, c'est un match en retard de la 15e ou 16e journée. On gagne 2-1 sur un exploit individuel de Caramo à la 93e minute. C'est d'ailleurs une des seules fois où on a gagné à Angers cette année. Et le deuxième match, c'est le dimanche, on affronte Dijon ou Reims. C'est Bordeaux-Dijon. Dijon, on gagne 1-0 sur un but de Cornelius. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est un match où Bordeaux est dégueulasse, mais vraiment dégueulasse. C'est une victoire à l'arraché où Kalou dribble toute la ligne de touche, finit par faire un centre fort devant le but. Il marque du genou. Cornelius, il a le pied sur la ligne. Il est à, refaites-vous si vous voulez taper Bordeaux-Dijon-Cornelius sur YouTube. Cornelius, il a le pied sur la ligne, il est à 1 cm de la faute au-dessus. Ouais. Et c'est pour dire que c'est pour vous dire que la dernière fois qu'on a gagné 2 matchs, c'est pas on a gagné 2 matchs tranquille, 2 victoires d'affilée sereine. Non non, c'était deux fois on a gagné laborieux, miséreux, vraiment miséreux. Ouais, et pour remonter une série de Bordeaux en Ligue 1, on dit souvent c'est en Ligue 1 ce qu'il faut pour gagner, ce qu'il faut pour bien casser, c'est la loi des séries en Ligue 1. Vous prenez de toute façon l'exemple le plus fou, c'est l'an dernier, avec Reims et Nice qui font une saison moyenne, mais qui se retrouvent en Ligue 1 puisqu'ils font une série de 2 victoires avant le Covid. Bah, Bordeaux, la dernière série, c'est sous Poyet, c'est les 4 dernières journées de la saison 2017-2018. C'est 4 victoires, avec bien sûr, et j'ai vu sur le chat tout à l'heure plein de personnes qui en parlaient, avec Monsieur l'Arbre qui cachait la forêt, Malcolm, qui avait porté cette équipe, parce que sinon… Poyet, pas Poyet, ça aurait été la même chose qu'aujourd'hui. C'est quasiment le même effectif, de toute façon. Donc voilà, on en est là. Hein. C'est les dernières fois où on a été correct, c'était avec Malcolm. Malcolm, depuis, sa carrière est partie dans tous les sens. C'est dire. Chino, tu veux réagir à ce que disait Joshua? Non, Joshua, c'était très juste, un constat implacable. Voilà, exactement. Et c'est bien de recentrer un peu sur ça. On ne peut pas dédouaner Gasset, je suis d'accord, sur le match de Monaco et… Même globalement, quand on va à l'extérieur, on ne peut pas avoir une attitude comme ça. Ton équipe, elle ne peut pas être aussi basse. On l'a vu au bout de 35 minutes sur la map Canal où Ben Arfa était au niveau des milieux défensifs. Et c'était notre joueur le plus haut sur le terrain. Et tout le monde était dans notre camp. Donc, c'est lamentable. On avait une position qui est… Voilà, et une attitude qui est pas logique. Donc, on a mérité de prendre pour moi 3 buts sur la première mi-temps parce que quand tu ne veux pas venir jouer au foot, eh ben, au bout d'un moment, tu le payes face à une équipe qui a du talent. Et voilà, mais Joshua a totalement raison. On n'arrive pas à enchaîner. Et je pense que malheureusement, c'est bien antérieur. Et c'est pour ça qu'il faut cibler les joueurs, pour moi, qui sont vraiment aussi responsables, vraiment grandement, de ce qui se passe actuellement. On va en parler avec les notes. Mais hier, tu vois, par exemple, Nico, Ben Arfa, la semaine dernière, on l'a encensé. Et c'est vrai, il fallait le dire. Et en fait, on expliquait la semaine dernière que ce qui avait fait du bien avec Ben Arfa, c'était qu'il puisse jouer entre les lignes, avoir de la liberté, venir provoquer les adversaires. Mais là, quand tu le mets hier… En pointe, moi, c'est pour ça que pour moi, Gasset, il est grandement responsable sur hier. Quand tu mets en pointe, il a joué Ben Arfa, si je ne dis pas de bêtises, il a joué c'est même pas une saison, il a joué quelques matchs en pointe à Rennes, avec, je crois que c'était même pas encore. Il y a Niang, avec Niang, quelques-uns, avec Mba et Niang. Et avec en fait, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il a joué à Rennes, je suis même pas sûr que c'était déjà avec Stéphane, je crois que c'était encore avec Lamouchi, dire. C'était un faux neuf. C'était un faux neuf qui redescendait énormément. Il y avait d'ailleurs Unou qui jouait derrière lui et les deux étaient très proches, ce que j'imaginais éventuellement avec Adli. Mais sur les côtés, tu avais Banyang et Ismaïl Assar. Ismaïl Assar et Banyang rentraient constamment à portée du danger. Donc en fait, ils jouaient en neuf sur la compo. Mais en réalité, ils jouaient derrière les deux attaquants et c'était l'endroit où il était le mieux servi. Là, le mettre en neuf comme ça hier avec
avec des joueurs qui sont plus des joueurs de côté que des joueurs qui rentrent dans l'axe, Soudan et Wang. Parce que Wang, bon, c'est censé être un joueur qui rentre dans l'axe, mais il rentre plus rien tout court. Ben en fait, Ben Arfa, qu'est-ce qui se passe? Et on l'a dit, les positions moyennes, on voit qu'il est au niveau de Bazic et Adli. Parce que Ben Arfa, c'est pas du tout un joueur de position, c'est un joueur de ballon. S'il n'a pas le ballon, Ben Arfa, il sert à rien sur le terrain. Son placement, etc., c'est pas là où il va faire la différence. Mais donc, qu'est-ce qui se passe? Excuse-moi. Samuel, excuse-moi. Est-ce que ça. On peut tout à fait critiquer ce choix-là. Moi aussi, j'ai eu du mal à comprendre le fait de mettre Ben Arfa en faux neuf, même si je pouvais envisager l'idée qu'avait derrière la tête Gassé. Mais... Il était en neuf, là. Il était tout seul en neuf. Oui, en neuf, oui. Bon. Mais est-ce que ça explique d'une manière ou d'une autre de prendre trois buts comme on se l'est pris hier en trois minutes? Non. Mais ce que je veux dire, c'est que le problème, c'est quoi? C'est que justement, ton seul joueur capable de faire et d'amener du danger chez l'adversaire, tu le mets dans une position où c'est un joueur qui aime avoir le ballon. Il a deux situations pour avoir le ballon. Soit il revient le chercher très bas et il se retrouve dans la forêt de jambes au milieu avec des mecs, notamment un mec qu'on connaît bien, Tchouaméni, qui va venir gratter ce ballon. Et donc, ça va être stérile. Il va essayer de combiner avec Adli, mais derrière, ils n'ont rien pour essayer de chercher la profondeur, etc. Soit, et c'est ce qui s'est passé en deuxième mi-temps, même avec la rentrée de Briand, Ben Arfa, il a fait quoi en deuxième mi-temps? Il a pris le ballon, il a dribblé la ligne de touche. Ah ouais, c'était génial. Il a dribblé la ligne de touche pendant sur 50 mètres pendant 45 minutes. Je caricature, bien sûr. La seule demi-occasion qu'on a, c'est grâce à lui, hein, quand même. C'est ça. C'est une fois où il arrive enfin sur la ligne de touche à éliminer les trois adversaires qu'il a sur lui et à tenter une frappe. Et encore, il avait un mec tellement près de lui qui peut même pas. Enfin, qui allait tout de suite contrer. Et donc, en fait, moi, ce que je dis, c'est que Ben Arfa, avec ce système-là, et c'est pour ça que ça fait partie des erreurs qu'on peut reprocher à Gassé hier. Ben en fait, tu te prives de la seule chose qui peut créer du bordel dans la défense adverse. Tu isoles ce joueur. Et donc, après, ce joueur, à Lyon, à Newcastle, il a réussi à dribbler 7, 8 mecs. Et j'étais encore à l'école primaire à ce moment-là. Quoi. Donc, il faut mettre les choses dans leur contexte. Quoi. Très bien. Merci, Joshua. On enchaîne. Je te remercie d'être intervenu. Oui. Voilà. À plus. Joshua. Salut Joshua. Joe, tu veux ajouter quelque chose et après on va faire un point réseaux sociaux avec Conan dans la cabine. Non, après je pense qu'il a essayé de jouer avec Atem Ben Arfa en centre, en neuf pour essayer de lancer aussi les deux joueurs côtés qui étaient Wang et Ouder. La problématique c'est que tu n'as pas eu la possibilité dans ce cadre-là. Je pense que c'était un petit peu l'idée du contre, essayer de donner le ballon à Atem Ben Arfa pour que les joueurs puissent un petit peu remonter, partir et prendre la profondeur. Parce qu'on connaît la problème de la défense axiale monégasque qui est très lente et qui ne sent pas très bien les coups, notamment dans le dos. Il a essayé, il s'est planté, clairement. Moi, je lui en veux plus, par contre, pour la titularisation, par exemple, de Pablo. Moi, clairement, ça. Alors, autant Ben Arfa, je ne pense pas que c'est la meilleure idée, effectivement. Alors, Pablo, quand tu vois le premier ballon qu'il a, le mec, il le lance dans un pied monégasque. Et le pénalty, il est clairement pour sa pomme. Le mec est à 2 mètres, il te met la main comme ça, tu comprends pas ce qu'il fait en fait, Pablo. Et tu sais très bien que le match peut être totalement différent aussi derrière Pablo. Je comprends pas pourquoi Bayes n'est pas devant Pablo actuellement. Je ne comprends pas ce choix-là. Et Sabali à droite, Kwateng, il a fait revenir des morts. On ne sait pas d'où il sort. Mais Sabali aussi, à un moment donné, c'est pas possible. Clairement, ce qui s'est passé techniquement. Le quatrième but, tu vois que le mec, le ballon, il passe deux fois sous le pied, quoi. Fait, à un moment donné, Sabali, mais qu'est-ce qui t'arrive, mon garçon, quoi, tu vois. Enfin, c'est plus sur ces choix-là que je l'en veux, plus que le choix tactique au départ offensif, parce qu'on sait qu'offensivement, c'est un peu compliqué pour Bordeaux. Ils tentent des choses pour essayer de trouver la bonne formule. Maja, tu peux pas le mettre titulaire parce qu'il a quand même eu deux, trois fois sa chance. Il a pas été bon. Briand, c'est un peu compliqué par moment. Pas une minute hier, Maja. On va en parler. Donc, on va en parler avec les minute, notes. Quoi. On va en parler. Oui, mais donc, Maja, voilà, on joue sans numéro 9. Oui, mais de toute façon, c'était trop tard. Donc, voilà, il a tenté quelque chose, il s'est planté. Mais par contre, sur les valeurs sûres que tu as, notamment Base derrière, je ne comprends pas pourquoi tu ne le mets pas actuellement. Clairement. Parce que Pablo, pour moi, n'est pas une valeur sûre actuellement. Conan. Pablo et Sabali, il faut les vendre en décembre, sinon ils partent pour zéro. C'est peut-être pour ça qu'ils jouent d'ailleurs. Malheureusement, je pense que ça joue. Conan sur le chat, je vois Château en clou au Mazer, là, Johan qui est à fond. Il dit merci, Joe. Il fait. Conan, on t'écoute depuis la cabine. Comment ça se passe ce vol? C'est très turbulent. Il y a beaucoup de gens qui disent que en fait, c'est le club au complet qui est responsable. Que ce soit autant les dirigeants, que ce soit l'entraîneur, Larsen, que ce soit les joueurs. Il y a un investissement qui manque, il n'y a pas de projet de jeu, et ça se voit dans le jeu en fait, des joueurs, ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas quoi faire. Et effectivement, il y en a certains, comme justement Château-Enclos, ou certains autres aussi, qui ont dit que ce serait bien qu'on puisse sanctionner comme on fait dans les entreprises, quand ça ne va pas.
C'est un club de foot, aujourd'hui, c'est un peu comme une entreprise et il faudrait qu'il y en ait certains qui prennent un peu la parole, des vrais chefs. Eh bien tiens, ça me fait rebondir sur le tweet du président du SUA Agen après le match d'Agen. Il a fait un tweet, le président d'Agen du club de rugby, en indiquant « Je vais réfléchir à comment sanctionner mes joueurs financièrement. Je vais voir si c'est possible. » Parce que ce qu'ils ont fait, compte tenu des conditions aujourd'hui de vie, la pandémie et le manque d'investissement dans leur travail, alors qu'ils sont très très bien payés, il dit, moi je vais voir si je peux les sanctionner, si c'est légal. Qu'est-ce que vous en pensez, ça, les gars, de ça? Faut pas tout mélanger. Faut pas tout mélanger. À un moment donné, je comprends que les gens soient frustrés par rapport à toute la situation qu'il y a, etc. Mais c'est pas en te vengeant sur des sportifs, aussi médiocres soient-ils, concrètement. Les sportifs ont toujours été trop surpayés, trop surcotés. Hein. Ça fait très longtemps que c'est comme ça, malheureusement. Ça fait des décennies que c'est comme ça. Que les joueurs sont surpayés depuis maintenant tout le temps. Alors peut-être que ça peut effectivement changer un petit peu certaines mentalités à ce niveau-là, clairement. Mais c'est pas parce que t'as le Covid, que t'es confiné, etc., que tu dois non plus rabattre toute ta haine sur les joueurs de foot. Je comprends, moi aussi, j'étais très en colère hier, clairement. Mais ce qui se passe actuellement, dans le contexte de vie qu'on a actuellement, c'est pas la faute des footballeurs ou des sportifs ou quoi que ce soit. Non, voilà. Mais Joe, au-delà de ça, quand Gasset te dit que la semaine, les mecs sont juste là pour jouer à la baballe et attendre... Là, c'est encore autre chose. Je suis d'accord avec la question qu'on nous pose. C'est que moi, oui, effectivement, alors mise à pied, tout ça, etc., non. Mais par contre, sanctionner financièrement les mecs en leur disant, avec la prestation qui a été faite samedi, vous avez quelque part, vous avez aussi manqué à votre devoir de donner le meilleur et la meilleure image du club. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas tout mélanger. Là, je suis d'accord. Moi, je leur enlève si une tu pars du contexte. Je leur enlève une semaine de salaire, tu vois, qu'ils vont courir à l'entraînement. Tu vois, ils vont pas jouer à la baballe. Hein. Tu vois, que Gassé. Gasset printemps, ils vont avoir des mecs motivés. Hein. Gino, là-dessus? Peut-être pas financièrement, mais ce n'est pas normal en tout cas qu'on n'ait pas des personnes au club qui soient capables d'actionner certains leviers, notamment mettre face à leurs responsabilités les joueurs, changer peut-être le programme de l'entraînement de la semaine, enfin faire un débrief peut-être musclé. Je ne sais pas, on a un directeur sportif au club? Oui, mais je me suis posé la question, il paraît. Je ne sais pas, je l'ai vu hier... Avec Mister Languépé, là, il avait l'air accablé, Monsieur Alain Roche. Mais il parle dans les médias. Enfin, moi je l'attends, Alain Roche. Quand est-ce qu'il va sortir un peu du bois et qu'il va mettre les joueurs face aux responsabilités qui sont les leurs? Parce qu'on sait que Languépé n'est plus là. En tout cas, il n'est plus aux manettes et il n'a aucune légitimité pour parler. Mais au moins, Alain Roche, eh bien, qu'il enfile un peu son costume. On est déjà presque au premier tiers du championnat. Je sais pas. On va continuer longtemps. Il nous fait une longue épée 2019. Hein. Une longue absence de fantôme. Il y a beaucoup de choses à huis clos. On ne sait pas trop ce qui se passe. Tous les entraînements pratiquement sont à huis clos maintenant. Non, mais... De toute façon, on ne sait pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur non plus. Après, je ne pense pas que Roche ne soit pas déjà intervenu. Au-delà de ça, il soulève... Tu soulèves une question que je trouve hyper importante. C'est qu'à part l'entraîneur et les joueurs, qui prend la parole après une déconvenue comme ça pour resituer le club et taper du poing sur la table? Non, mais ça fait des années que ça se passe comme ça. T'as raison, Nico. Ça fait des années que personne ne prend la parole. Rio, on sait que Languépé, les seules fois où il a pris la parole, c'est pour dénoncer ses propres supporters. Voilà ce qu'on a comme président. Et on a un directeur sportif qui arrive, qui est censé représenter le club, qui est une légende du club. Et moi, je lui donne du crédit. Je ne vais pas lui cracher à la gueule, je ne sais pas ce qu'il a fait. Pour l'instant, moi, je le jugerai sur ses actes. Mais là, il faut qu'il sorte un peu. Il attend quoi? Qu'on soit 15e, 16e, 17e? C'est quoi, en fait, l'histoire? Qu'on ait l'habitude soit l'honte de... Bah oui. Quand il était au PSG, c'était les places qu'il occupait. Hein. Il sera peut-être à l'aise dans cette situation. Allez, messieurs, on accueille Rémi, notre deuxième invité au téléphone, supporter des Girondins. Salut Rémi et bienvenue à toi. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à toute l'équipe. Bon, j'ai écouté vos interviews dernièrement, ce que vous racontiez par rapport à hier et tout. Et j'avoue qu'on est franchement déçus du comportement de la plupart des joueurs, je dirais. Quand on regarde le match d'hier soir, on se dit, mais dans quel monde on est quand même? On voit des joueurs marcher, des joueurs qui n'ont pas envie. Derrière, c'est catastrophique. Il n'y a aucun plan de jeu. Il n'y a aucune grinta, il n'y a aucun meneur d'homme. C'est vraiment, ça fait malheureusement pas plaisir à voir. Et quand on voit que ce match est diffusé sur Canal+, qui plus est, on passe vraiment pour des pipes, pour ainsi dire. Et franchement, il va falloir taper du poing sur la table. Quand vous entendez Laurent Koscielny qui dit « Oui, il faut se regarder dans la glace, prendre ses responsabilités », c'est bien de le dire, il faut le faire à un moment donné. Parce que du jour au lendemain, on voit que les joueurs s'entraînent,
ils viennent à l'entraînement comme si de rien n'était, et puis le week-end, on vient là, on vient en touriste, on ne sait pas ce qu'on fait, on marche, on ne respecte pas les couleurs, et ça, c'est quand même honteux, je trouve, voilà, tout simplement. Ouais, ce que tu dis, Rémi, c'est ce qu'on ressent tous, hein, vu des joueurs. Je sais pas si. Moi, c'est un manque de. Oui, je comprends justement que moi, pour moi, c'est un manque de respect vis-à-vis du club. Quand on a connu les belles heures, je remonte à quelques années, quand on a connu les titres, on avait des joueurs comme Chamac et Gourcuff, on n'avait pas forcément des équipes exceptionnelles de grand nom, on va dire, mais ils se sont fait connaître, ils ont mouillé au moins le maillot, ils ont essayé de produire quelque chose, mais là, on voit rien. Franchement, hier, on a honte d'être Girondins. Et autant on joue les matchs à huis clos toute la saison, parce que même sans public, mieux vaut, parce que les deux villes, le virage Chine et tout, à un moment donné, il faut monter au front, quoi. On ne peut pas supporter une équipe qui a fait les belles heures des Girondins et qui se retrouve là, lamentablement, dans cette position depuis X années. Je veux dire, à un moment donné, qu'est-ce que fait la direction? Est-ce que les gens voient vraiment les choses qui se passent la semaine? Je ne sais pas. Est-ce que les gens savent jouer au foot? Je ne sais pas. Vous reprenez des joueurs, mais c'est vrai. Youssouf Savali, inexistant hier soir, catastrophique. Moi, je dis, la concurrence, faut la pousser jusqu'au bout. Autant lancer Fungia à gauche, autant lancer Boateng, on a raison, autant lancer des jeunes. Et surtout, je sais pas, faut piquer d'orgueil ces joueurs-là, mais on a l'impression qu'il n'y a rien à faire. Ils viennent comme si, en fait, ils ne se rendaient pas compte de ce qu'ils font. Je veux dire, à l'heure qu'il est, la situation est grave, mais pour moi, on va droit dans le mur. 3 déplacements encore difficiles à venir. Je sais même pas à combien à Paris on va en prendre de la prestation démontrée hier soir. C'est grave. Et quand je dis qu'il y a des choix difficiles au niveau de l'effectif, quand on voit Pablo qui est titulaire, alors que Paul Weiss était franchement dans une bonne pente jusqu'à présent, Pablo revient de blessure, il prend sa place, on était quand même la meilleure défense, et on se retrouve avec 3 buts encaissés à Marseille et 4 hier soir. Il faut se poser les bonnes questions. Moi, je pense que Jean-Louis Gasset en premier, le navire Girondin coule à flot, et il va falloir vraiment remettre les points sur les i, et il va falloir trouver une solution, parce que franchement, on part droit dans le mur. Je ne sais pas où on va actuellement. Est-ce que les joueurs, merci pour ta réaction Rémi, est-ce que les joueurs ils respectent le maillot, d'après vous? Pour moi, ils ne respectent pas le maillot. Est-ce que hier soir, je suis quand même supporter des Girondins, on voit tous quand même, en étant supporter des Girondins, les matchs des Girondins actuellement, on voit qu'hier soir, honnêtement, on prend 3 buts en 2 minutes, et je ne sais même pas, en étant police et en première division district, on voit ce tel niveau. Je veux dire, de je m'en foutisme total. Aucun repli défensif, les gars, ils marchent. Les buts, ils viennent sur les côtés. Je veux dire, les centres, ils sont anodins. Sabali, on a l'impression qu'il est parti à la pêche sur les deux centres au deuxième poteau. Même, je sais pas, on a l'impression que les leaders ne sont plus. Costil, il a beau parler, Costil, il a beau dire, il y a 15 jours à Marseille, oui et tout, on jouera notre championnat, je veux bien. Mais quand je dis, on a l'impression que ces joueurs-là ne sont pas, je sais pas, il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui ne se fait plus actuellement, il y a quelque chose qui a sauté, comme on dirait, le verrou a sauté, je ne sais pas. Il n'y a rien, il n'y a pas d'âme dans cette équipe. Il n'y a vraiment pas d'âme cette année, il n'y avait pas d'âme les autres années. Mais là, je ne sais pas où on va, honnêtement. Comme je disais, quand on écoute Médès sur le plateau du CFC qui dit c'est une bouillie, pourtant il est assez critique, il est assez dur parfois, mais je le rejoins tout à fait. On n'y a pas d'autre place actuellement et on ne mérite pas mieux dans tous les cas, ça c'est sûr. Je vous rejoins tout à fait. Mmh. Je vous rejoins tout à fait dans vos avis et tout. Mais c'est vrai qu'il va falloir innover quelque chose. Parce que franchement, Montpellier, on n'a pas gagné à la maison. Paris, je n'ose même pas imaginer Paris, le bouillon qu'on va prendre là-bas. Parce que franchement, on va prendre 6, on va prendre 8 s'il faut. Parce que hier, on en prend 4 à la mi-temps. Mais si le match est fini à 10-0, à la mi-temps, il est pareil. Mmh. Il n'y a aucune réaction. Pas un tacle, pas un tacle méchant, on va dire, mais aucune envie de se dire. Ils se parlent pas entre eux. Il n'y a aucune communication, il n'y a rien. Jonathan, a rien. Qui veut réagir là-dessus, ou même Gino, ou même non, moi, ça, c'est un débat que j'entends dans la plupart des clubs actuellement. À Nice, il y a un mois, tout le monde fracassait le coach, il disait que les joueurs étaient dégueulasses. Là, ils ont battu le record de points depuis pratiquement 10 saisons. Ils n'ont jamais fait un aussi bon départ, j'ai vu sur l'équipe tout à l'heure. Mais ils sont dégueulasses quand même, hein, ils le savent. Oui, mais ils sont dégueulasses, mais tu vois, ils ont quand même des résultats. C'est-à-dire, là, si on gagnait ce match contre Monaco, on se retrouvait dans les 5 premiers. Sauf que le match est complètement raté. Mais tu peux pas dire mais contre Nîmes, mais tu vois que. Il n'est pas bon. Oui, mais il n'est pas bon dans la plupart des clubs de Ligue 1. C'est ce que je veux te dire. Mais à domicile, tu marques presque jamais sur les 3 ou 4 premiers matchs. À l'extérieur, tu prends que des branlées. Enfin, j'ai attends, j'ai pas dit qu'à saison. Parce qu'ils faisaient le constat. Voilà, ils faisaient le constat. Ah oui, c'est juste qu'en fait, si tu gagnes ce match-là, tu es dans les 5 premiers. Ah oui, sur le classement. Bah oui, tu fais une série. Tu fais une série de 2 victoires en Ligue 1. C'est ça, Monaco, ce match d'avant, ils se font fracasser. Nice, c'est pareil il y a un mois. Lille, Paris, Lyon, tous les clubs, Marseille, ils sont fait fracasser. Tout le monde est mauvais actuellement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, effectivement, Bordeaux, nous, ça fait des années que c'est comme ça.
Donc c'est compliqué. Mais si tu gagnais ce match, tu étais dans les 5 premiers, on aurait dit quoi? Non, mais attends, t'as pas le niveau que les autres équipes. On aurait dit qu'on a fait une bonne saison, un bon début de saison ou pas? Tu vois, le championnat est minable, mais t'as pas le niveau des autres équipes. Dans l'intensité, dans le jeu et tout. Non, mais attends, il y a des équipes bien meilleures que nous quand même. Dans l'intensité, je suis pas certain. Et Monaco, ils font pas un super match. Hein. Je suis désolé, mais la première demi-heure, Bordeaux et Monaco, c'est déplorable le niveau. Mais si tu parles d'intensité, Dino. Mais non, mais même dans le niveau de jeu. Vas-y, Dino. Franchement, tu trouves que Monaco a mis plus d'intensité que nous? Bah déjà oui, dans ses offensives, dans la manière d'attaquer le ballon, dans plein de choses. C'est le talent qu'ils ont. Non, parce que c'est violente qui te font le match devant. Parce qu'après, et sinon… Oui, mais c'est des joueurs de talent qui, au moins, ils sont devant, ils sont là pour marquer des buts. Oui, mais avant le but, tu as une occasion pour Monaco sur un corner où Benito lâche le marquage. Avant le but, si Pablo ne te fait pas sa connerie avec sa main, tu n'es même pas sûr qu'il y ait un but avant la mi-temps. Hein. C'est juste que nous, on s'est effondré complètement après le premier but. Non, je suis assez d'accord pour dire que Monaco n'a pas fait un gros match hier. Très grand match, mais ils sont meilleurs que nous. Ouais. Ah oui, ils ont du talent. Bien sûr. C'est un mec qui s'appelle Benítez aussi. Mais le problème, il est là, c'est qu'encore une fois, mais Joe, il est très important ce débat. C'est qu'encore une fois, on le dit souvent sur l'effectif. Le problème à Bordeaux, c'est qu'il manque des joueurs de talent. Parce que tu prends l'effectif par rapport aux autres équipes de Ligue 1. Je crois que c'est le débat qu'on fera après d'ailleurs. Je ne vais pas trop spoiler. Mais je pense qu'on regarde tous pas mal d'équipes de Ligue 1 et même on les voit venir jouer. Il n'y a pas forcément beaucoup plus de talent collectivement ailleurs. Mais en tout cas, il y a deux, trois individualités capables d'eux. Ce qu'à Bordeaux, tu n'as pas aujourd'hui. Et surtout, pour revenir à la question de Nico, est-ce que les joueurs s'en foutent? Mais on va arrêter de donner nos avis. On va prendre ce qui est factuel. Gasset nous dit hier, c'est la troisième fois que je le répète, je crois, dans l'émission, mais Gasset nous dit hier, à Bordeaux, les joueurs, ils arrivent le matin. Pendant une semaine, ils s'entraînent, ils jouent à la baballe, ils attendent ma compo. Et dès que je donne ma compo, ceux qui jouent, jouent. Ceux qui jouent pas, jouent pas. Il te dit pas ceux qui jouent pas sont dégoûtés, ils cassent les murs, ils pleurent, ils se remettent en question. Il dit pas ceux qui jouent, c'est le résultat d'un travail acharné tout au long de la semaine, de tactiques mises en place, etc. Tiens, comme ça pouvait faire avec un ancien coach, mais on a préféré le foot dehors. Au final, ces mecs-là, qu'est-ce qui se passe? Ils en ont rien à faire, en fait. Ils jouent, tant mieux. Ils jouent pas, je suis bien payé. Moi, je prends un mec comme Mécher en tête. Mécher qui est même plus, mais dans la discussion de quoi que ce soit, il touche 120 000 balles par mois. Mais le matin, il doit arriver. Le matin, moi, je serai lui, j'arriverai. Mais putain, moi, j'arrive avec mon café et ma clope au Hayan, sans déconner. La vie, elle est belle, quoi. Non, mais sans déconner. Je crois que c'est 110 ou 120, mes chers. Mais oui, mais c'est ça. Mais tous, la plupart, ils sont à plus de 100. À un moment donné, il ne va ils pas doivent... jouer un match. Ils doivent... oui. C'est-à-dire, il est sportif professionnel. On va même pas lui demander une exigence sportive parce que, de toute façon, on compte pas sur lui. Mais non. Il a 120 pétards. Bien sûr, c'est normal, il arrive, le mec, il joue à la baballe, il fait trois jongles, il fait deux passes à Jovanovic, il lui demande si sa femme elle va bien, s'ils sont dispo pour un dîner le lendemain, et après il rentre chez lui, il en a rien à foutre du championnat, rien à foutre de la Ligue 1, rien à faire de jouer TJ Savani dimanche. Et rien à foutre des supporters des Girondins. Ah bah, pff, les supporters. Là... Bah oui. Il n'y a plus de respect, c'est pour ça aussi. Mais... C'est ça, il n'y a plus de respect. Mais ça, encore une fois, et Philippe, il fait bien de le dire sur le chat, c'est pas la faute à mes chers, hein. Parce que moi, je suis Mécher, mais pourtant, je suis amoureux des Girondins, je suis Mécher, je fais la même chose. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça se passe comme ça. Gasset qui dit hier, les joueurs jouent à la baballe et ils attendent la compo. Mais moi, quand il a dit ça, mais je me suis pris une énorme claque dans la gueule. Ce qu'il était en train de me dire, en fait, c'est qu'il s'en fout. Et moi, ce qui me dérange, c'est que Gasset, à son époque, il lançait des mecs qui aimaient le club, des Sertic, des Traoré. Alors, c'est des mecs qui ont fait des carrières dégueulasses, hein, on va pas se mentir. Mais ces mecs-là, parce qu'ils aimaient le club et parce qu'ils avaient envie de se bouger le cul, mais ces mecs-là, quand ils ont démarré avec Bordeaux, Sertic, deuxième match, Sochaux, il te met un but d'anthologie. Frappe pied gauche sans regarder le but. Richer, il va la chercher dans le petit filet. Traoré, moi, je me souviens des matchs de Ligue des Champions. Il rentrait, il était intéressant. Il jouait la Juve de Buffon, de Camoranesi, de David Trezeguet, de Del Piro. Traoré. Et voilà. Non, mais on parle pas de jouer Dijon de Alakbé et Mounir Chouillard. On parlait à l'époque de jouer les plus grands matchs européens et ces mecs-là, ils se mettaient au niveau. Alors qu'on s'est rendu compte par la suite que c'était des mecs qui n'étaient pas bons. Donc, en fait, à lui aussi de prendre des décisions. S'il estime un matin qu'Amadou Traoré, Sekoumara et Bakwa, ils vont plus se bouger que les autres, eh ben, c'est eux qui doivent mettre sur le terrain. Même s'ils ont joué zéro match en Ligue 1. Voilà, il va falloir réfléchir comme ça. Il faut qu'ils mettent ceux qui ont envie de jouer. Ceux qui ne veulent pas jouer, comme apparemment c'est une grande majorité du vestiaire, eh bien écoutez, prenez votre salaire, de toute façon vous allez profiter d'un système qui est dégueulasse à Bordeaux. Et ça y est, je suis énervé. Mais ces mecs-là, ils n'ont pas la place dans des clubs de Ligue 1, la plupart.
Ça, il faut qu'ils se le disent. Hein. Mais il faut qu'ils se le disent. Et je vais remercier Rémi. J'ai remercié Rémi qui est toujours là. Rémi, t'es toujours là ? Je suis toujours là, bien évidemment. On est en train de s'énerver. Exactement, non, vous avez tout à fait raison. Et il va falloir continuer à épiloguer. Vous avez raison sur ce qu'il dit. Et vraiment, je remercie la personne qui parle des Girondins, des joueurs footis. Il a raison sur le tout. Je veux dire, sur Betcher, sur tous les épisodes. La vérité est là. La vérité, il ne faut pas se la voiler. Il ne faut pas se voiler la face. Et je pense qu'on va droit dans le mur. Et comme je dis, il y a très peu de joueurs qui ont envie de mouiller le maillot sur ce sujet-là. Et on aura une équipe peu compétitive. On a plein de talents, mais les talents, ça ne suffit pas. Si on n'a pas la niaque et l'envie de mouiller le maillot, et surtout le respect des supporters, parce que c'est ça, le respect du maillot, je veux dire, on joue pour un club et il n'y a pas de supporters actuellement. Vous allez me dire, c'est vrai, c'est facile à dire. Mais non, mais je veux dire, après, il va falloir se bouger sérieusement. Mais on n'y croit plus trop. Et là, on va droit dans le mur et on a des gars qui, vraiment, ne veulent pas avancer, comme il disait ce cher monsieur que vous avez interviewé, qui disait... Non, je disais non, ce cher monsieur que vous êtes interviewé actuellement, il a raison. Les joueurs, ils viennent de la semaine à l'entraînement, ils viennent en dilettantisme, ils s'en fichent complètement, voilà, ils couchent 6 ans, et on met du contrôle, il a raison, on met les pieds devant l'autre. Mais pour moi aussi, Gasset n'est pas l'homme de la situation. Bon, après, vous me direz, entraîneur en Girondin actuellement, c'est difficile, certes, mais on n'a pas un entraîneur. Je pensais que le tour était après sur la table, qu'on a dans un entraîneur avec la pointe, soi-disant, Jean-Luc Gasset, quand même, aussi, il a les belles années qu'il a fait ailleurs, à ce qu'il y a de l'autre, même en tant qu'adjoint avec Laurent Blanc, mais on n'a pas l'impression que. Merci il est concerné. Hier soir, il a été totalement battu. Voilà. Merci Rémi, t'es d'où toi ? Bonne soirée, t'es un plaisir. T'es d'où en Merci. France ? T'es d'où ? Tu nous appelles d'où ? Je suis de Mont-de-Marsan. De Mont-de-Marsan. Eh bien, écoute, salut à tous les Landais. Bonne bye soirée. Bye. Ciao. À bientôt. Bonne continuation. J'aimerais revenir sur une chose et vous donner la parole, parce que ce que dit Samuel Vasselin, parce qu'on parle de joueurs, ils ne s'investissent pas. Mais c'est quoi ? Il faut qu'on se mette dans la peau d'un joueur. C'est quoi sa vie, un joueur ? Il ne vit pas comme nous, le joueur de foot professionnel. C'est des mecs, je pense, ils sont complètement coupés de la réalité. Alors, vous pouvez intervenir, hein, mais ces gars-là, les supporters, je ne sais pas si il y a un joueur des Girondins de Bordeaux, s'il parle à des supporters des Girondins, des fois. Est-ce que vous pensez qui te remet dans la réalité, Nico ? Mais concrètement. Pardon ? Qui c'est qui te remet justement en tant que les supporters ? Quand tu discutes avec des supporters, les supporters, l'institution, le club, oui. Oui, mais c'est pour ça. C'est qui sont les personnes au club qui doivent faire que l'institution elle soit présente pour les joueurs et pour qu'ils pensent justement qu'il y a des gens qui représentent. Ils représentent un club, ils représentent une identité. Il y a quand même des personnes au club qui sont là pour le rappeler normalement. Enfin, moi, je pense. Non ? Il y avait un coach qui était là jusqu'à il y a 3 mois et on l'a viré. Non, parce que Gassi, il n'a pas les valeurs du club. Ah non, je ne dis pas ça. Mais juste qu'il y avait. Voilà, c'est pas la question. C'est pas la non, question, Joe, mais il y avait un coach qui mettait des jeunes sur le banc parce que justement, la semaine, il foutait rien à l'entraînement. Qui a même utilisé pas du tout un mec qu'on avait acheté 1 million 1 000 ans parce qu'il n'en branlait pas une. Lui, il le faisait. Alors, je ne dis pas qu'il a bien fait hein, et qu'il a tout bien fait, au contraire. Mais je dis juste que c'est un exemple de ce qui ne marchait pas. C'est que déjà, à cette époque-là, on avait un entraîneur exigeant à ce niveau-là et les mecs ne se mettaient pas au diapason. Gasset, on connaît sa réputation. Saint-Etienne, vous demandez à tous les gens qui suivent Saint-Etienne, vous disent Casery, Cabella, Villa, Ruffier, c'était à la carte. Ils étaient au resto, ils arrivaient. Alors, cette semaine, lundi, non, lundi, non, je ne m'entraîne pas. Mardi, ouais. Mercredi, juste l'après-midi, ça marchait bien parce que c'est des mecs qui marchent à la fête comme ça, etc. Mais ça, à Bordeaux, tu fais ça avec des mecs qui ont besoin de s'entraîner tous les jours et d'avoir une discipline. Bah, du coup, t'as ce qu'on voit tous les week-ends, en fait. Après, est-ce qu'on peut pas juste poser la question inverse, c'est-à-dire que moi, je suis amoureux fou des Girondins, c'est le club que je regarde tout le temps. Franchement, t'as un Barça Real et t'as un Bordeaux-Dijon, je regardais Bordeaux-Dijon. Ça, il n'y a aucun problème à ce niveau-là, tu vois. Moi aussi. Mais je suis désolé, t'as un club qui n'a pas fait de recrutement, qui n'investit plus, qui n'a pas de projet. On ne sait pas ce qui va être en fin de saison. La communication est totalement coupée avec les supporters et autres. Les joueurs n'ont plus accès aux supporters, les supporters n'ont plus accès aux joueurs. Comment tu veux remotiver ces joueurs actuellement, en fait ? Non, mais ils sont professionnels. C'est pas la question. Tu peux être professionnel dans ton travail, mais quand tu es dans une entreprise... C'est du management. Tu sais t'as un manager qui est là pour motiver ses troupes, quoi. Ça veut dire que club n'est pas managé. Nico, tu peux être le meilleur manager du monde si t'as pas les moyens de motiver tes joueurs avec... Ouais. Un manager, carotte, il trouve vois, des moyens. Avec trouve... des choses derrière qui t'appuient un petit peu. Un manager, il trouve des solutions. Avec longue épée. T'as des solutions. Et le discours de longue épée, c'est un peu compliqué à entendre pour un joueur aussi. Hein. Pas que pour les supporters. Hein. Donc, oui, effectivement, les joueurs n'ont pas été bons dans l'esprit, ça m'agace. Mais moi, je suis joueur des Girondins actuellement et pourtant, j'adore ce maillot. J'ai pas spécialement envie de venir jouer aux Girondins. Hein. Bah, je fais tout clairement. Pour me casser, justement. Ouais. Ils ont des bonnes performances. Ils ont quand même un minimum, Joe.
à devoir au club quand même par rapport aux salaires qui sont payés et un minimum d'investissement à avoir. Alors après qu'il y ait des soucis au club, et je te rejoins sur ça, le fait ça part du haut, et moi je suis d'accord, ça part du haut, donc que ça soit compliqué, qu'ils soient pas au mieux de leur forme et tout, je suis d'accord avec toi, et je pense qu'on peut pas attendre d'eux qu'ils soient par exemple pour moi dans les 6 premiers, dans les 8 premiers et tout, parce que déjà ils ont pas le talent, mais aussi les conditions sont pas bonnes. Mais par contre, tu te dois d'avoir un minimum de compétition, en fait, de pouvoir montrer que tu as quand même un minimum de compétences pour avoir ce salaire et être dans ce club-là, je pense. Et le minimum, là, il n'y est pas. Et, à Monaco, par exemple. Et je rajouterai, moi j'ai été manager pendant 10 ans. J'ai géré des équipes commerciales à un petit niveau. Et bien, moi, j'ai connu une restructuration dans mon entreprise. Et on a eu zéro moyen, des moyens réduits, et on a dû trouver des solutions. Et bien, je peux te dire qu'au bout d'un an, on faisait plus de chiffres avec point de moyens qu'avant, alors qu'on avait plus de moyens, parce qu'on a totalement repensé notre façon de travailler. Mais ça, dans le sport de haut niveau aussi, tu peux, t'as le droit d'avoir des résultats, t'as le droit de savoir manager, de repenser les choses. Ça. Et ça, la première responsabilité, c'est les managers. Elle est sur eux, la responsabilité. Les joueurs, oui, mais ce sont des ouvriers, pas comme les autres. Pardon ? Ce qui motive le joueur actuellement, c'est l'argent. Le monde voilà, du mais tu tapes. L'argent. Mais si t'as pas d'argent, t'as pas de. Et bien justement, l'argent, c'est un moyen de pression sur les joueurs. Et oui, il faut s'en servir. Tout à fait d'accord. C'est un levier. C'est un levier comme un autre. Et dans le commerce, quand tu diriges des équipes, l'argent, c'est un levier pour les faire performer. Et ouais, il y en a qui marchent à l'argent. Comme c'est Étienne, tu fais des contrats, du coup, au résultat. Oui. Comme à l'époque, vous avez recruté des Aubameyang, etc., où ça marchait bien. Voilà. Mais à Bordeaux, ça va être compliqué de recruter des joueurs comme ça. Mais oui, mais à un moment donné, il faut manager. Ce club n'est pas managé, de toute façon, on le sait. Voilà. Ça, on le sait. Bon, allez, on passe au. Après, c'est de trouver aussi ceux qui veulent se mouiller le maillot. Comme disent certains sur le chat, il serait peut-être temps de commencer à faire jouer des gars de la réserve qui mouillent un peu plus le maillot à la place de titulaires. Même si les résultats ne sont pas là, c'est le fait qu'on peut perdre, mais il y a différentes manières de perdre. Et la manière dont on a perdu contre Monaco, c'est honteux. On peut perdre sans honte. Moi, par exemple, j'ai un exemple en latéral gauche, j'aimerais bien voir Bessilé. Hop, j'enlève le. J'avais affiché les notes. Alors, pardon. Vas-y, Samuel. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, bon, Pungé, on le présente pas. On l'aime beaucoup, Maxime, mais je pense qu'il n'a pas le niveau pour jouer en Ligue 1. Benito, il a un peu plus le niveau, mais on le voit encore comme hier. Sa principale qualité, c'est de se battre. Et il se bat souvent mal et à contre-temps. Donc, autant mettre un jeune qui aura peut-être que ça pour l'instant comme expérience, le combat physique, mais qui au moins va se donner. Et je peux pareil, hier à la place de Wang, je préfère mettre Bakwa ou Traoré, qui va peut-être faire le même match que Wang, c'est-à-dire un match vide, mais qui au moins va peut-être tenter, va peut-être se dire à un moment donné, je vais prendre ma chance, je suis un gamin, j'aime le club ou pas, hein, d'ailleurs, il peut ne pas l'aimer, hein. Mais en tout cas, j'ai envie de percer, donc je vais tout donner. C'est con, mais et pourtant, moi, j'étais pas fan de ce discours il y a encore 2-3 semaines. Notamment, moi, je suis beaucoup d'influenceurs sur les Bordelais sur les réseaux qui suivent beaucoup la réserve, qui réclamaient beaucoup de joueurs de réserve. J'étais là, calmons-nous. Il faut quand même aussi, ne serait-ce que pour les joueurs de la réserve, il faut qu'il y ait des étapes quand même, que ce soit que ça arrive un petit peu, voilà, je trouve pas le mot, mais par étapes. Là, aujourd'hui, je me dis que vu que Gasset nous dit clairement que les joueurs n'ont pas envie de jouer, et que lui, bah, ça fait 9 matchs, ça va faire 14, 15, 16 semaines qu'il est là, il n'a pas réussi, ne serait-ce à les motiver un tout petit peu, bah, a fait jouer des jeunes, fait jouer Zarkane, fait jouer Bakwa, fait jouer Bessilé, tente Traoré, tente Mara, vas-y, de toute façon, qu'est-ce que tu vas faire au pire? Au pire, tu vas prendre 4-0 contre Monaco, c'est déjà fait. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est pas simple. Sur Bessilé, on m'a envoyé un message. Alors, je nommerai pas qui me l'a envoyé, mais on m'a dit « Pourquoi il a pas joué Bessilé ? Il a fait plus de 300 matchs avec Ben Yedder quand il jouait au TFC. Il s'est entraîné plus de 300 fois avec lui. » Voilà. Surtout Bessilé, moi, j'ai eu des bons retours sur son match qu'il avait fait avec le Togo il y a un mois en amical. Donc, Allez, les gars. Et en latéral gauche. Oui, il peut jouer latéral gauche, en effet. Allez, les notes. J'affiche les notes et après, on va basculer et on accueillera au téléphone Johan. On a un quart d'heure de retard pour Johan. Mais bon, c'est pas grave. On le remercie à Johan. Alors, les notes, des notes fantastiques qui s'affichent sur vos écrans. Elles sont sur 10, je le rappelle. Jean-Louis Gasset, 1,7. La note équipe. Elles sont pas sur 3, les notes ? 1,3. Meilleure note qu'Ossielny, 3. Ça peut nous permettre de parler des joueurs dont on n'a pas parlé encore. Adli 0,5, Basic 0,5. Vous étiez allé au vitriol là quand même. Ah, et là, plus ça va, plus les notes sont basses. Ah oui, mais bon, attends, quand tu vois qu'à l'équipe ils leur mettent 4,
comment un joueur peut avoir 4 sur un match qu'il fait, quoi. Je veux dire. Après, c'est sûr que si t'es pote avec le joueur, c'est difficile de lui mettre une mauvaise note. Mais bon. Oh, tu lances la pièce surtout à l'équipe. Donc après. Ouais. Bon, là, en tout cas, bon, nous, on a notre système de notes également. Koscielny, qui est peut-être celui qui a été le moins mauvais. Elle est dure, la note de Koscielny, moi, je trouve, par exemple. Tu vois. Ouais, mais quand tu prends 4 buts et que t'es défenseur. Ouais, capitaine. Je suis d'accord, mais. Ouais, c'est un peu compliqué de bien le noter. C'est le seul joueur qui a touché le ballon à Bordeaux hier, moi je lui mets. C'est le seul joueur en fait qui est au niveau d'un match de Ligue 1. Et tu prends les 4 buts, j'en discutais hier soir avec mes collègues du club des 5, notamment avec mon ami Elton Mokolo qui a commenté le match. On se refaisait les 4 buts, Koscielny, il n'y en a pas un pour lui. Hein. Pas un. Mais pour Koscielny non plus. Je suis pas là pour Koscielny non plus. Ah ouais, pareil, mais Koscielny a pas le temps de va aller chercher au fond des filets. C'est quand même dur. La différence avec un flagrant, mettre 3 Koscielny alors que ça balie à 1 et 1,3 Benito. Ah, on double, c'est, pour le coup, on est sur. on triple. Mais ça, c'était mon excuse à mes parents quand j'entrais que j'avais 7 en SVT ou dans les matières où j'étais dégueulasse, c'est-à-dire 90% des matières. Je disais, j'ai eu 7, mais mon pote, il a eu 3,5, donc je suis deux fois plus fort. Bah, j'en prenais je une. Faisais là, hein. Je faisais la même. Et ton pote, c'était Sabali du coup? Ouais, c'est ça. Ouais. Exactement. Gino, un mot sur Adli et Basic chez Gino. Yacine Adli. Catastrophique. Techniquement, mais il n'a pas regardé avant de faire ses passes, donc c'est compliqué. Hein, quand on ne regarde pas où on fait la passe, c'est difficile. Après, Adli est comme il est. Hein, il a beaucoup de manques, je pense, niveau régularité. Beaucoup de sautes de concentration, mais au moins, il essaye, il tente. Basic, lui, il a beaucoup joué vers l'arrière. Je pense que c'est Eric Carrière notamment qui en parlait, je trouvais très juste, qui connaît très bien le poste, lui qui a été un très bon milieu de terrain de Ligue 1 et qui disait bah, Basic et Otavio ne veulent pas le ballon. Donc oui. Voilà, ça c'est une des réalités. Et non, mais c'est étonnant de la part de Basic. C'est très étonnant de la part de Basic. Plus que Otavio. Otavio, malheureusement, on est habitué à ce qu'il ne joue pas vers l'avant. Mais Basic a fait un match très mauvais. Quoi. J'avais l'impression que c'était un fantôme, même sur la première mi-temps. Ah, mais moi, je me rappelais plus qui était titulaire à un moment donné. J'ai fait, genre, tu sais, j'ai regardé ma feuille à la mi-temps. J'ai, parce que, voilà, bah, par rapport aux notes, je note tous les joueurs et puis je mets des annotations. Et je vois que bah, sur Basic, j'avais rien mis. J'étais là, mais il joue en fait, le mec, en fait, du coup. Et... Alors, c'était ni bon ni mauvais, c'est que je le voyais pas, en fait. Je savais pas quoi dire sur ce mec-là, en fait. Mais quand tu vois le naufrage qu'on a subi, si tu vois pas un joueur au milieu, c'est un peu compliqué, quoi. Allez, messieurs, on accueille Johan au téléphone. Salut, Johan, bienvenue à toi dans le talk sur Web Girondin. Bonsoir à l'équipe. Allez, on t'écoute. Bon, les notes, t'aurais mis quoi comme note, toi, au joueur? Bon, j'aurais mis ce que vous avez mis, hein. Franchement, c'est ça, quoi. Il n'y a pas à batailler. Ça a été un match plus que médiocre. Moi, ce que je voulais parler, c'est surtout de l'avenir, quoi. C'est que, ce qui m'inquiète, parce que, enfin, ce qui m'inquiète, c'est qu'avoir que ce que veut faire les. Ce que compte faire le club, parce qu'on aura quand même 11 joueurs en fin de contrat à la fin de saison. Donc bon, on va faire, je pense, on va faire confiance aux jeunes, ok. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est ce que compte faire King Street, quoi. Ce que compte faire, parce que bon, ils veulent pas mettre d'argent, ok. Pas mettre d'argent dans les transferts, pas mettre d'argent nulle part. Et moi, il y a un truc que mon père disait que je trouve qui est pas mal, c'est que, à mon avis, eux, ils veulent pas perdre d'argent. D'accord, ok. Eux, ils ne veulent pas perdre d'argent, donc ils veulent pas mettre, donc ils veulent récupérer, si je comprends bien, les 100 millions d'euros. Enfin, s'ils veulent récupérer les 100 millions d'euros, je ne sais pas comment ils vont les récupérer avec une équipe déjà médiocre. Et c'est pas, même s'il y a des jeunes qui vont peut-être faire quelque chose, mais ce ne sera pas tous pareil, quoi. Donc à un moment donné, moi je ne sais pas. Soit on va tout droit d'ici un an ou deux en Ligue 2, parce qu'au fur et à mesure qu'on voit, ça c'est quand même ça. Ça continue d'être médiocre depuis au moins 4 ans, parce que je crois que ça fait 4 ans qu'on n'est plus en Coupe d'Europe, il me semble. Voilà. C'est intéressant, et ça permet d'introduire le thème. Quelle est la valeur de cet effectif? Ouais. On voit qu'il dit que c'est niveau Ligue 2, la valeur de l'effectif, notre ami Jean-Louis. Ouais. C'est quoi sa valeur? Est-ce qu'il exagère pas un peu trop? Parce que quand tu regardes intrinsèquement les joueurs, on doit au moins... Alors ça n'est que mon avis, jouer top 10. Bien sûr qu'il exagère. Samuel. T'as Costil qui est un gardien international, t'as Koscielny qui est un des meilleurs défenseurs Première Ligue sur la décennie. Bien sûr qu'il exagère, c'est pas un effectif Ligue 2. Maintenant,
Est-ce que ne pas être un effectif leader, ça veut dire que c'est un bon effectif? Je pense pas. Encore une fois, on en a beaucoup parlé déjà l'an dernier avec Paulo Sousa. Le problème de cet effectif, c'est qu'il y a de la qualité dans cet effectif, mais il manque, ce qui est très important dans le football, il manque un ou deux joueurs qui vont sublimer cette équipe, qui vont faire grandir cette équipe, qui vont leur permettre d'avoir des repères dans le jeu, d'avoir des repères devant, d'avoir des repères derrière, d'avoir des repères dans le vestiaire. Il manque, et voilà, pour donner des exemples, il manque des joueurs comme Malcolm l'a été. Malcolm, ça a été un joueur qui, à un moment donné, a été capable de porter une équipe sur son dos, parce que c'était un joueur dans un match qui était capable de centraliser le danger et de libérer des espaces, qui était capable de prendre aussi à son compte une rencontre. On s'en souvient de, notamment du match contre Lyon, qui est un de ses plus gros récitals à Bordeaux. C'était un joueur qui était capable de faire ça. Avant Malcolm, tu avais des joueurs comme, Diabaté et Kazri. C'est pour ça qu'on ne parle pas non plus de joueurs… Là, je ne vous dis pas qu'il nous manque Trent Alexander-Arnold, Mo Salah et Fabinho. Je suis en train de vous dire qu'il manque juste des joueurs capables de, à un moment donné, et c'est plus dans le caractère que dans le talent, parce qu'on a des joueurs talentueux dans l'équipe. Wang, on a vu quand même, Wang, je m'arrache les cheveux et ouais, il m'en reste quasiment plus à force de… On est à la 9e journée, j'espère vraiment qu'on va le vendre au mercato d'hiver, parce que sinon, il va falloir que j'aille faire un tour en Turquie. Wang, rappelez-vous, au début de la saison dernière, c'était quand même intéressant. Il y avait une qualité de frappe, il y avait un sens du but, il y avait une idée dans ce qu'il faisait. Donc on a quand même des joueurs qui peuvent être intéressants sur une saison et faire des bonnes saisons. On a des joueurs capables de mettre 10 buts par saison ou plus, Maja Brillant par exemple. Mais ce qui manque aujourd'hui, et c'est ce que ne peut pas vraiment être Ben Arfa au vu de son âge, au vu de sa trajectoire, c'est de la qualité brute dans cet effectif. C'est un ou deux joueurs qui vont être capables, qui vont déjà être des titulaires indiscutables, qui vont être des joueurs réguliers et qui vont être capables d'élever l'effectif et d'en faire une équipe costaud. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul joueur de ce calibre-là dans l'effectif, c'est Laurent Koscielny, mais il est en fin de carrière. C'est comme Ben Arfa, pour moi, ça ne peut pas compter parce que ça ne peut pas être des joueurs locomotives. Parce que quel est l'intérêt aussi d'avoir des joueurs locomotives comme Malcolm? Rappelez-vous, qu'est-ce que fait Camano quand Malcolm il s'en va? Et il marque 12 buts en 3 mois et demi. Pourquoi? Parce que Camano, qui arrive un an après Malcolm, il voit que Malcolm, il part pour 40 millions au Barça, après avoir fait deux bonnes saisons à Bordeaux. Bon, après Camano, il y a eu les histoires de transfert, etc., avec Monaco, ce qui a freiné ça et qui a cassé complètement sa dynamique. Mais c'est pour dire aussi à quel point ça donne des idées à ceux qui arrivent derrière. Et ça, aujourd'hui, il n'y a pas à Bordeaux. Donc la valeur. Aujourd'hui, si, il y a un mec, quand Koscielny va partir, Mamadou Sakho, il va se dire tiens, j'ai 34 ans, ils vont m'offrir un CDI, pourquoi pas? Mais pareil, je n'ai pas d'infos. Hein, je donne un exemple au hasard. Joe. Voilà quel genre de joueur, à quel message on envoie aujourd'hui avec nos locomotives. Des Ben Arfa, des Koscielny, des mecs sans manquer de respect, des mecs finis. Parce que même si j'adore Koscielny et Ben Arfa aujourd'hui, c'est le plus gros de leur carrière, elle est derrière eux. Au mieux, ils gagneront quoi? Une Coupe de France avec Bordeaux? Voilà, ça sera sur la cheminée. Ils mettront les bonbons dedans à Halloween, quoi. Joe, sur la valeur, Joe, sur la valeur de l'effectif, la valeur sportive, est-ce qu'il exagère, les gars? C'est quoi pour toi la valeur sportive de l'effectif? Oui, après, il a pas mal axé sur le côté... l'effectif est mauvais, mais j'ai l'impression qu'il a axé surtout sur le côté mental, sur le côté cœur de l'équipe, justement. Où il dit que cette équipe n'a pas de cœur. En mode, justement, c'est une équipe de victimes... Qui s'est penché en avant sur ce match-là, qui a donné ses fesses pour qu'on ait 4 fesses. C'est un peu l'idée, tu vois. Et au-delà du côté talent, comme effectivement j'ai dit tout à l'heure, Samuel l'a très bien dit, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Mais il manque aussi un ou deux leaders qui arrivent quand même à rameuter l'équipe dans ces moments-là. Koscielny, il a du mal à le faire, j'ai l'impression. Il essaye, mais j'ai l'impression que ce n'est pas trop son rôle. Ça n'a jamais été un gros aboyeur. Costil, c'est pareil. Il a essayé, Costil, à un moment donné, de dire bah, les gars, qu'est-ce qui se passe et tout. Trop bas sur le terrain. Mais oui, il y a ça, mais même, tu sais, je pense que quand t'avais à l'époque un Desailly ou un Laurent Blanc, l'équipe de France qui te gueulait dessus, je pense que tu rentrais un petit peu dans la rue, tu dis, ouais, il a raison, on est en train de se faire laminer sur la gueule. Beckenbauer, c'était un libéraux, le mec, s'il avait envie de gueuler, il gueulait, je pense que toute équipe, après, je prends des légendes, c'est encore au niveau largement dessus. Mais tu peux être défenseur, gardien, etc., tu peux Buffon. Buffon, il pouvait te ramener une équipe avec un seul arrêt. Parce que je veux dire, c'était parce que c'est des joueurs mythiques qui ont un talent, effectivement, et qui ont surtout, ce sont des meneurs d'hommes. Il n'y a pas de colonne vertébrale au Girondin. Tu n'as pas un défenseur, un milieu, un attaquant qui mène ce qu'il faut dans ces postes clés-là, en fait. Il faudrait. Le défenseur, tu l'as, c'est Koscielny. Il te manque un vrai bulldog au milieu.
Otavio, malheureusement, il fait que des passes en retrait, il gueule jamais, on n'entend jamais parler. Il fait un tacle en premier temps, c'est sur le côté à 70 mètres du but, il fait un tacle, limite il va pas découper le joueur, à un moment donné tu comprends pas ce qu'il fait. Otavio, il pète un câble, tu sais pas, c'est le seul moment où tu le vois réagir, tu sais pas pourquoi, et derrière il n'y a rien. Mais il manque un vrai 6 comme l'était Michel Pavon par exemple. Il te manque un vrai leader offensif comme pouvait l'être un Bitter, un Chamac, ce genre de joueur. Est-ce que vous avez déjà vu deux joueurs des Girondins s'engueuler pendant un match, quoi? Un qui est... Mais Costil ou Koscielny, il peut aller voir Sabali, il dit putain, mais fais attention, quoi. Ils peuvent se secouer. Mais non, parce que tu devrais gueuler après tous les joueurs. Même. Tu peux pas gueuler après tous les joueurs. Non, mais. Le problème, c'est que tu devrais gueuler après tous les joueurs. Ouais. Bon. Gino, donc, la valeur de l'effectif. T'avais fini, Joe? Oui, non, après, oui, voilà, ça manque de talent, mais moi, je trouve aussi ça manque de leader, quand même, clairement. D'accord. Dans cet effectif-là. Gino. Non, pour moi, oui, c'est trop faible pour viser le haut du niveau, le haut du panier, pardon, en Ligue 1. Mais pour revenir à ce que disait Johan, je trouvais son approche très intéressante. C'est-à-dire que j'ai très peur du moyen long terme. C'est-à-dire que si King Street reste, qu'est-ce qu'on va faire quand tous les joueurs en fin de contrat vont partir et qu'on va sûrement pas beaucoup réinvestir, voire quasiment pas, et qu'on va mettre des jeunes en fait sur le devant de la scène. Moi, j'ai très peur d'une saison où ça va être très compliqué. On l'a vu, hein. Dès qu'on joue avec beaucoup de jeunes dans un championnat et notamment en Ligue 1, ça peut être une saison très compliquée parce qu'il faut de l'expérience, à mon avis, dans un effectif professionnel. Et donc, j'ai très peur que, à moyen ou long terme, si on continue avec cet actionnaire et avec ce qui se passe, la Ligue 2 soit vraiment pas loin pour nous, quoi. Cette saison, je pense pas. Voilà, ça me semble pas réaliste. Tu vas y arriver. Ouais. Johan, t'es toujours là. Attention quand même, Nico. Attention. Ouais. Ouais. Vas-y, Samuel, et après Johan pour conclure. Non, avec non, toi. Moi, je suis comme toi, je crois pas à la Ligue 2, mais attention, on l'a dit, la Ligue 1, c'est une équipe de série. C'est très con, hein, mais si Bordeaux flirte avec la mauvaise zone sur les 3-4 dernières journées et que t'as deux équipes qui font une série, et ben t'es en Ligue 2. Autant c'est très facile d'aller en Europe, autant ça peut être très con de se retrouver en bas du classement. Donc attention quand même. Johan, pour conclure. Pour conclure, moi je pense que King Street attend qu'une chose, c'est que soit bon, parce que pour récupérer ces 100 millions, ils peuvent toujours rêver, à mon avis, c'est pas compliqué. Et puis après, je pense qu'ils se partiront que si le club descend, et c'est ce qu'ils comptent faire, parce que de toute manière, ils comptent investir dans aucun quelque chose. Alors à chaque fois on nous parle, oui, on a investi, on a mis ça. Mais ils ont mis quoi? Ils ont mis 30 millions pour la DNCG, ok, mais ça suffira pas. Ils ont mis 100 millions pour acheter le club, ok, pour faire quoi? Pour rien faire. Donc si c'est pour rien faire, voilà, c'est ça qui m'a fait plus peur, parce qu'en fait, moi ce que je vois, c'est que bon, ils ont pris un directeur sportif, Alain Roche, à mon avis, qui s'il a pas les moyens, il sert à rien. Voilà, ça c'est pas compliqué. Et donc du coup, cette année non, c'est sûr. Mais c'est sûr que l'année prochaine, on y va tout droit. Hein. S'il n'y a pas d'investissement sportif, on y va tout droit. Parce que là, c'est vraiment moi ce qui me fait peur, c'est que en fait, on voit rien, quoi. Il n'y a rien qui se passe. En plus, les Américains comptaient sur les droits TV, mais vu comment ça est en train de se goupiller, ça a l'air d'être mal barré, ça aussi. Donc, il y a quand même de quoi s'inquiéter. Bon, bah écoute, merci Johan, t'as passé le message. Merci à toi et à la prochaine dans le talk. À la prochaine, merci, continue. Salut. Comme ça. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Conan, des réactions sur le chat? Il y a énormément de gens qui parlent un peu de chaque joueur, hein, de façon au cas par cas, ça n'arrête pas. Après, il y a une question qui est vite fait qui a été posée, c'est est-ce que King Street a donné le club comme vendeur ou pas? Officiellement, non. Officieusement, oui. Voilà. Officiellement, non. Officieusement, oui. Ils sont les acheteurs aujourd'hui. Voilà. On en est là. Donc, il y en a qui se sont manifestés. Et ce que je sais, c'est que l'incertitude sur les droits télé fait que certains investisseurs n'osent plus s'engager dans un projet de rachat. Voilà. Mais bon. Ça montre surtout que la Ligue 1, le coût des milliards machin qui a été investi par Mediapro, c'était tellement surcoté que là, je pense que ça va en refroidir plus d'un à investir en France. Voilà. Et à Bordeaux, avec King Street, quand tu vois la situation actuelle, moi, c'est plus ça qui m'inquiète, c'est trouver un repreneur et surtout les droits télé, ce qui se passe. Ça sent vraiment pas bon pour le foot français, clairement.
Allez. À Bordeaux. Ouais. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, les gars, avant qu'on tourne pour le prochain thème. Non. Allez. Non, j'allais juste dire une chose dans tous les cas. Par rapport à ce qui avait été dit tout au début, c'est que, comme tu avais dit, de toute façon, on a des joueurs que même en Ligue 1, ils n'ont pas le niveau, aucun club ne les voudrait. Mais en fait, ça se voit sur les joueurs que l'on a vendus. Les joueurs que l'on a vendus, j'en parlais avec mon beau-père ce week-end, c'est simple. Est-ce qu'on connaît un seul joueur de Ligue 1, à part une pépite comme Koundé ou autre qui est vite fait sortir, est-ce qu'on a un seul joueur de Ligue 1 qu'on vend dans les clubs extérieurs que la Ligue 1? Les seuls qu'on va vendre à l'extérieur, c'est APOL Nicosis, à Chypre, en Grèce, dans des championnats où c'est beaucoup moins fort. Aucun grand championnat ne veut de nos joueurs à l'heure d'aujourd'hui. Oui, bon, après, tu as un gros salaire aussi. Koundé à Séville, la saison dernière. À part Koundé à Séville, voilà, comme je dis. Mais sinon, on regarde ceux qu'on a fait partir cet été, ils sont allés où? Est-ce qu'il y en a un seul qui a rejoint l'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne ou l'Italie? Aucun. Non. Allez, messieurs. Attention, c'est l'instant promotion. Alors, ça va s'afficher sur votre écran. Qu'est-ce que c'est? On a un partenaire pour le talk, donc je vous en parle, hein, parce que c'est important. C'est Vegas Training. Vegas Training, c'est quoi? C'est une société qui est à Mérignac et qui propose du coaching, une préparation. Et on a une offre super à vous faire. Si vous voulez, en plein confinement, si vous êtes confiné ou pas, si vous faites du sport, c'est adapté à tous. C'est du sport en ligne. Vous avez des vidéos de remise en forme. Il y a 3 niveaux. Une vidéo par semaine pendant 1 an. Et ça, il faut savoir que Coach Vegas, quand même, il a fait la préparation individuelle de joueurs. Des Girondins, Naoufel Hassef qui n'est pas resté longtemps, malheureusement, j'ai dit tout à l'heure. Il a eu les frères Haït et Yamberé, des boxeurs, des rugbyman. Voilà, donc profitez-en parce que normalement c'est une offre qui coûte 120€ et on a décidé de faire un partenariat ensemble avec Web Girondin pour cette émission et pour la prochaine. Et on vous propose pour 48€ un an de cours. C'est-à-dire pour 48€, vous allez sur le site, il y a le lien en description, vous avez 1 an de cours avec une vidéo par semaine et un coaching adapté à votre niveau. Voilà, que vous soyez perfectionné, que vous souhaitiez prendre de la masse graisseuse, que vous souhaitiez prendre du muscle ou maigrir. Voilà, donc profitez-en, le lien est en description. Et comme en période de confinement, vous savez que les salles de sport sont fermées. C'est aussi pour ça qu'on lui a proposé de venir proposer son offre en vous faisant une offre à vous pour l'aider et pour nous aider aussi. Donc, vous avez le lien dans la description pour en profiter si vous le souhaitez. Voilà. Est-ce que ça allait, les gars, là, la promotion? Oui, très bien. Il y a Aile de Pigeon qui a dit sur le chat, je vois, on ne peut pas l'offrir à Yassine Adil, la prépa. Pour 48€, on peut. Pour 48€, c'est ce que je voulais dire. Excuse-moi, Conan, mais. On devrait faire une cagnotte. Ouais. On devrait faire une cagnotte et l'offrir en fait à tous les joueurs de l'équipe des Girondins en fait. Voilà. Je crois qu'ils en ont tous besoin. C'est 48€ pour une année, hein. Et tout taper le code Web Girondin, c'est 72€ de remise. C'est vraiment un super truc parce que vous avez pas mal de sociétés qui proposent ça. Ça, c'est régional. C'est lié avec les Girondins et c'est pour vous. Voilà. Donc, 48€, non, il se le paye, on va pas lui offrir non plus aux joueurs. Quoique, si ça lui permet d'être meilleur, pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas. Bon, ils le feront pas de même alors. Ouais. Voilà. Bon, messieurs, prochain thème. Ça va être le match à Montpellier. Match à Montpellier. Comment vous le sentez ce match, messieurs? Mais là, ça sera l'heure de la réaction. On sait comment on est mauvais à l'extérieur. À domicile, on s'en sort à peu près. Montpellier était pas bien, ils ont gagné ce week-end. Ils avaient quand même pris 4-0, je crois, à Reims au week-end d'avant, si je dis pas de bêtises, où ils prennent une grosse fessée et clairement, les supporters étaient très mécontents. Là, ils ont quand même bien réagi. Ils ont gagné face à un Saint-Etienne très faible, mais. Ouais. Ils ont quand même réagi. Parce que j'étais quand même inquiet pour Montpellier. Quand je vois les dernières prestations, notamment le match contre Reims, c'était quand même assez cata. Ils ont quand même bien réagi malgré tout. Maintenant. C'est effectivement, s'il n'y a pas de réaction là pour Bordeaux, ça va être très compliqué. Donc, c'est encore malheureusement, on se met encore un match important. Le match contre Monaco, c'était du bonus, on se le rate. Et là, on se remet un match important où tu es dans l'obligation de gagner parce que derrière, tu tapes Paris et Rennes. Donc, si tu ne gagnes pas là, tu ne prendras pas de points derrière. Et j'avais dit, tu avais fait le pronostic, je ne sais pas pour le mois, Nico, il me semble, la semaine dernière. Oui. J'avais dit 3-4 points, je ne sais plus. Tu m'avais dit, tu es un peu méchant.
Non. J'ai dit ça. Oui. Oui, moi je m'en souviens, Samuel, t'avais dit, Joe, dans tous les cas, que comme on avait fait un bon match, derrière on allait faire un mauvais match là contre Monaco et qu'on se réveillerait sans doute sur Montpellier. Voilà, mais après, je pensais pas qu'on allait être aussi cata, mais je pensais qu'on allait perdre. J'avais dit 3-1 ou quelque chose comme ça, mais je pensais qu'on allait perdre. Mais je pensais qu'on pouvait au moins marquer un but parce que la défense de Monaco est faible. Mais contre Montpellier, effectivement, on peut s'attendre à une réaction, hein, clairement. Moi je miserais sur une victoire. Mais ils n'ont pas intérêt à se planter, clairement. Là. Réaction de Gino ? Comme on a une équipe à deux vitesses, ils vont réagir face à Montpellier. Ah, on n'entend plus Gino. Ah, il a coupé son micro. Ah oui, le micro est coupé, Gino. Attends, je remets. Mais... Vas-y, Gino, on t'écoute. Petit problème de son. On espère qu'ils vont réagir quand même un minimum. Après, il ne faut pas qu'on tombe sur le Montpellier, qui est vraiment avec sa mentalité qu'on connaît bien, qui a quand même des arguments offensifs que nous, on n'a pas et de complémentarité. Parce que sinon, ça va être très, très compliqué pour moi, pour Bordeaux, de gagner le match. Montpellier, Gaëtan Laborde, Delors, on voit que c'est une équipe qui est plutôt robuste. Ils n'avaient pas gagné depuis 4 matchs, hein. Ils viennent de repasser. C'est technique. Oui. Attends, Samuel, tu n'as pas cité un joueur. Vas-y, dis-nous le joueur sur lequel tu penses à Montpellier, Samuel. Ouais. Oui. Ah, lui entre Basic et Otavio, il va venir avec la piñata et toute la fête foraine. Hein. Il revient juste de blessure, lui, non, par contre De suspension. Suspension. Il avait pris 3 matchs pour une faute contre Monaco, justement. Mais ouais, non, il va se régaler. Et comme tu l'as dit, Nico, après, tu as les deux autres qui sont très complémentaires. L'avantage, c'est que Montpellier, c'est un peu une équipe à l'image de Bordeaux dans la mesure où il y a du talent. Il y a plus de complémentarité, ça, on l'a dit, mais il y a plus de complémentarité. Mais c'est une équipe qui manque aussi de talent brut à beaucoup de postes, notamment défense, notamment milieu. C'est une équipe costaud, mais pas non plus. On n'est pas sur une équipe comme Monaco, par exemple, où le serait-ce que les individualités sont supérieures aux Girondins. À Montpellier, j'ai envie de dire que les grosses individualités montpelliéraines ne seraient pas forcément des joueurs qui seraient titulaires aujourd'hui à Bordeaux. Delors, je sais qu'il y en a qui l'aiment beaucoup, c'est un joueur moyen, Delors. C'est un joueur un peu fantasque, mais c'est un joueur moyen. Laborde, on l'a vendu parce qu'il était derrière Sankaré qui était milieu défensif. Donc ce que je veux dire, c'est quoi là, Mollet, c'est pas forcément un joueur qui est meilleur qu'un Atem Ben Arfa ou quoi. Mais il y a cet assemblage qu'a fait Der Zakarian, ce collectif qui fait que ces joueurs-là, ils ont de la qualité et ils se trouvent les yeux fermés. Et donc moi, quand je prends cette équipe-là, je me dis forcément, elle va arriver à Bordeaux avec plus de certitude, alors qu'elle est dans une mauvaise passe. Maintenant, on l'a dit, c'est une équipe à réaction, Bordeaux, c'est une équipe à la maison. Moi, je pense que le score le plus probable, c'est le fameux score qu'on va faire contre toutes les équipes à peu près de ce niveau-là, à la maison, 0-0, comme Nantes, comme Nice, voilà, 0-0. Parce qu'on va tenir... Au niveau du classement, excuse-moi, je fais un point classement. Ils sont 9e avec 14 points. Donc nous, on est 12e avec 12 points. Attention, Dijon, qui est 19e, a 6 points. Donc, et Nîmes, pardon, qui est 18e, a 8 points. Donc on n'est pas loin, si on fait un faux pas face à Montpellier, de se retrouver en difficulté au classement. Gino ou Joe ? Sur Montpellier, non, mais après, il n'y a rien à dire. Quelle équipe ? Ce qui est intéressant, c'est de voir quelle équipe il va faire jouer face à Montpellier. C'est surtout ça qui est intéressant. Est-ce qu'il va faire tourner ? Une compo différente. Ouais, mais est-ce qu'il va sanctionner les joueurs ? C'est-à-dire ne pas les mettre dans le groupe ? Ouais, mais là, il fait comment ? Au milieu, il fait comment ? Alors, peut-être pas au milieu, mais il y a des postes au niveau. Est-ce qu'il peut se passer de Sabali sur ce match ? Oui, j'espère. Et il met Kouateng ? Oui. Ouais, Gino, tu grésilles un peu, Gino, au niveau de ton son. Ouais. On t'entend pas, Gino. Vas-y, tu grésilles un peu, je sais pas. Ah, vas-y, c'est bon, c'est mieux. Ah, non, vas-y. Ah là, c'est mieux. Vas-y, c'est mieux, là. Il peut au moins le mettre sur le banc, Sabali. Voilà. Ouais, voilà, c'est beaucoup mieux. Minimum. Ouais, mais sur le banc... Oui. Il y a une question qui a été posée sur le chat, c'est si on perd contre Montpellier, d'après nous, est-ce que Jean-Louis Gasset va jeter l'éponge ? Non. Je pense pas. J'espère pas, en tout cas, parce que là, ce serait vraiment problématique pour nous.
Ouais, il a 3 victoires quand même. La situation n'est pas catastrophique. Je pense qu'il se fera, il se fera pas virer, Jean-Louis Gasset. Ça n'est pas. Non, ça dépend comment ça se fera. Avec surtout pas virer. Il se fera surtout pas virer parce que de Bordeaux, je pense, n'a pas les moyens de repayer encore un entraîneur, un entraîneur gratuitement. Mais au-delà de ça, non, lui va peut-être à un moment donné abandonner. Ça, je pense que c'est une piste probable. En tout cas, hier, il était à deux doigts. Hein. À deux doigts déjà de dire que c'est pas une solution qu'il écartait déjà, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que il partira de lui-même milieu de saison si ça continue comme ça, parce qu'à un moment donné, même si les résultats sont pas catastrophiques, il comprendra qu'il fera rien de spécial. Et je suis pas sûr que jouer la 15e place ce soit vraiment, même s'il a dit hier, ce soit vraiment ce qui l'intéresse. Aujourd'hui, s'il a le choix entre être à Montpellier et s'occuper du centre de formation, je pense que son poste, il est toujours d'actualité. Et être entraîneur d'une équipe de Ligue 1 qui n'a pas de qualité et qui doit finir 15e de Ligue 1, je pense qu'il ne se fera pas chier à prendre toute la pression d'un club de Ligue 1 et du poste d'entraîneur. Ouais. Tu avais mis 5 points en pronostic, Samuel, hein, je suis dans les temps parce que, rappelez-vous, je vous avais dit que la défaite, pour moi, ne serait pas nécessairement celle contre le Paris Saint-Germain. Et moi j'étais très inquiet du match contre Monaco, je l'avais dit la semaine dernière, parce qu'on justement, ce qui m'inquiétait le plus, moi, c'est que après la prestation de Monaco à Lyon, on allait se sentir beau et se dire qu'ils étaient prenables, mais pour ce qu'on oublie, c'est que pour prendre des équipes, nous, il faut qu'on soit au niveau, et c'est pas le cas. Voilà, pour l'instant on a été au niveau sur 2 matchs, et Dijon. Le reste, après, on a réussi à avoir la victoire. On n'a eu qu'une seule, hein, d'ailleurs, c'est contre Nîmes. Contre Nîmes, parce qu'il y a un exploit personnel, il y a une faiblesse en face. Mais sinon, on n'a pas les capacités pour gagner. Donc, moi, je savais. Alors, après, maintenant, ça reste très utopiste, parce que là, je dis qu'on ne perdrait pas un des 3 matchs qui arrivent. Si c'est le cas, franchement, ce serait costaud. Mais je pense sincèrement qu'on a joué le match où on allait avoir la plus grosse désillusion de ces 4 proches de ce calendrier. Je ne dis pas que ça va être forcément mieux, enfin que ça va forcément être bien, mais je pense que ça sera forcément moins pire, même si ça ne se dit pas sur les 3 prochains matchs. Bordeaux sera un peu plus costaud quand même, je pense. Allez, Joe, tu nous fais la compo, on t'écoute. Et Gino, il corrige. Bon, Costil, déjà, ça en est pas mal. Non, je pense qu'il y aura Koscielny et Bayce, je les souhaite fortement. Benito à gauche. Quateng à droite, Basic, Zerkan au milieu, ou Otavio Zerkan peut-être, je sais pas clairement, mais Basic avec le match, je sais pas s'il va peut-être le sortir, mais Otavio j'ai pas trouvé non plus, mais moi je verrais bien Basic Zerkan. Ben Arfa en 10 sur les côtés, j'ai envie de te dire Maja en pointe parce qu'à domicile je vois qu'il le met souvent titulaire quand même, généralement, te dire Maja. Il y a que sur les côtés où franchement Kalou est pas remis. Je pense qu'il va mettre de Préville. Je pense qu'il va mettre de Préville. J'y crois même pas, Oudin. Peut-être Mara, Bakwa, je sais pas. Sur un côté, je sais pas. Côté gauche, peut-être Mara, Bakwa. Je sais pas. Il va peut-être nous remettre Adli sur un côté. Tu vois, mais ça me ferait chier. Mais moi, j'ai envie de te dire, ouais, je verrais bien un Mara, j'aimerais bien le revoir à gauche. J'avais bien aimé sur la préparation. Bakwa est intéressant, et Traoré aussi est intéressant quand il fait des rentrées aussi. Donc, un petit jeune sur le côté gauche et de Prévu de l'autre côté, avec Maja en pointe et Ben Arfa en 10. Ton avis, Gino? Et après, on fait la FAQ avec Conan. Je pense que ça sera ça. Après, je pense qu'il remettra Oudin, mais il sortira plutôt Wang, à mon avis. Oui, ça, c'est sûr. Clairement. Ouais. Allez, la FAQ, Conan, est-ce qu'il y a eu des questions pendant cette émission ou avant Il n'y a pas eu beaucoup de questions pendant l'émission. Ouais. Mais il y en a eu avant, dans tous les cas. Petites questions, certaines qu'on a un peu répondu. Comme pourquoi ne pas lancer de plus jeunes joueurs de la réserve. Ah, question. Ce qui pourrait être pas mal. C'est quoi la question? Pourquoi ne pas lancer plus de jeunes joueurs de la réserve? Qui c'est qui veut se positionner là-dessus? Après, ça dépend ce que montrent les joueurs dans les entraînements. S'ils sont un petit peu mangés par les professionnels, c'est un peu compliqué de dire tu vas jouer directement. Mais le problème, c'est que dans les entraînements, on ne sait pas trop ce qui se passe maintenant. On joue à la balle. C'est ça le problème.
Ouais, non, mais c'est ce que dit Gasset, mais nous, on ne le voit pas. Maintenant, on n'a plus accès aux entraînements, clairement. Donc, au club, malheureusement, donc, tu ne sais pas trop ce qui se passe. Tu ne sais pas trop qui est bon, qui n'est pas bon. Tu te fies qu'aux échos que t'as, voilà, concrètement. J'entends pas, effectivement, des échos qui sont très positifs non plus, mais... voilà, oui, les jeunes, certes, mais il faut aussi qu'ils montrent quelque chose d'entraînement. Il faut qu'ils montrent qu'ils peuvent gratter leur place. Pour l'instant, je ne suis pas certain que ça se passe comme ça à l'entraînement. Je ne sais pas, je peux me tromper. Hein. Mais je pense que Gasset l'aurait déjà fait. Paulo Sousa aussi l'aurait fait la dernière. Samuel en a parlé. Il y a Bessilé qui pourrait lancer. Il peut lancer Bakoua. Ça ne serait pas pire. Si ? Est-ce que ça peut être pire ? Non. Je vais te dire non, parce mais bon. Que l'un des premiers critères qu'on reproche aux joueurs, c'est l'engagement. Donc l'engagement, ce n'est pas une question de talent, c'est une question d'envie. Donc si les mecs ont envie, ils auront déjà un visage un peu moins pâle et surtout comment dire, beaucoup plus motivé. Non mais Pungé, il a envie par exemple, tu vois. Ouais, mais voilà, c'est ça le problème, c'est que… C'est ce que je veux dire, l'envie c'est une chose. Faut le juste milieu entre l'envie et l'intérêt pour l'équipe. Mais après Pungé, franchement, aujourd'hui, moi je sais pas, ce que effectivement on connaît le personnage en long, en large, en travers. Mais il ne serait pas plus mauvais que d'autres dans cette équipe. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire jouer. Hein. Mais ça démontre aussi un petit peu le curseur aujourd'hui. Pungé, aujourd'hui, c'est un joueur médium dans l'équipe. Un joueur haut niveau. Mais à la base, Pungé, il y a 3 ans, c'était un joueur qui ne devait même pas être au niveau pour rester dans l'effectif. Ça en dit long. Une autre question, Conan ? Ouais, j'ai une autre question de Château en clos et qui se rapproche à une petite question que j'avais lue effectivement avant sur le chat. C'est les supporters ne devraient-ils pas hausser un peu le ton ? Comme sur le chat, ça veut aussi dire exactement un peu de la même manière. Si on Gino, mettait ça. Le virage sud en place, est-ce qu'il n'y aurait pas plus d'énergie dans l'équipe ? Gino, c'est pour toi ça. Et oui, mais malheureusement, le contexte, le Covid joue à plein, quoi, j'ai envie de te dire. Et on ne peut pas se faire entendre de quelque sorte que ce soit. Et c'est très compliqué. Voilà, bon. On est déprimé là sur cette fin d'émission. On avait attaqué tambour battant, et là, ça y est, c'est la. Non, mais surtout, c'est pas. C'est la déprime. C'est pas au virage chute de donner envie aux joueurs. Oui. C'est aux joueurs de faire en sorte que le match soit suffisamment emballé pour que les supporters vibrent. Alors, l'avantage avec le virage chute et avec les ultras Bordeaux, c'est qu'ils seront toujours derrière les joueurs et derrière l'équipe. Donc, ils chanteront toujours pour un match. Et la preuve, ils le continuent à le faire depuis 10 ans. Alors que n'importe qui aurait perdu ses cordes vocales en regardant cette équipe. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas le supporter qui doit donner envie aux joueurs d'être bon et de jouer. C'est le joueur qui doit donner envie aux supporters dans une folle ambiance. Et qu'il y ait de virage sud ou pas au stade en ce moment avec le contexte, bah en fait, les supporters, ils vibrent chez eux, quoi. Donc là, les joueurs, c'est vrai que c'est mieux quand tu joues à la maison et que tu es poussé par tes supporters. Mais fais rêver tes supporters aussi. Et non, comme disait Gino tout à l'heure, je pense que supporters, ils n'en ont rien à cirer. Mais alors, rien à cirer. De quoi ? Alors, ah oui, que les joueurs n'ont rien à cirer des supporters. Ah ouais, mais ouais, et de savoir qu'on vibre ou pas à la maison, ils en ont strictement rien à foutre. Ouais, Gino, frustré, il te tarde de retourner au stade ? Oui, énormément. Mais après, dans quelles conditions et avec quelle équipe sur le terrain, qu'est-ce qu'on va voir en termes de mentalité et d'état d'esprit, quoi ? C'est toujours pareil. Quand on les a revus pour ceux qui ont été chanceux d'être dans le stade pour Nantes et Lyon, ben, excusez-moi, mais au niveau footballistique, est-ce qu'on avait vu, c'est minable, quoi. Donc voilà, il faut que ça change. Et ouais, allez. On a Sportif Solo qui nous dit « Faites des émissions talk sur l'équipe féminine, peut-être qu'on sera plus contents ». Elles ont cartonné ce week-end en plus, hein, donc heureusement qu'elles sont là. J'ai vu les match. Féminines reviennent bien. J'ai vu le match, c'était intéressant. Bon, elles ont bénéficié d'un carton rouge, mais c'est très bien. L'équipe de Dijon. Petit coup franc de Carla Vogèze aussi qui a fait du bien aussi. Ouais. L'égalisation là, elle est très propre. Après, les féminines, c'est super ce qu'elles font. Hein. D'ailleurs, elles sont revenues à 2 points de Montpellier, qui est 3e. Il faut savoir que la 3e place sera qualificative pour. La Ligue des Champions. La Coupe d'Europe. Ouais. Alors, je ne sais plus si c'est la Ligue des Champions. Elles sont revenues à 2 points de Montpellier. Il fallait absolument qu'elles gagnent. Avant, les 2 premières places, c'était pour la C1. Donc là, peut-être que c'est les 3 maintenant. Alors, c'est les 3, mais je sais. Il n'y a pas de Coupe d'Europe. Il n'y a pas de Coupe d'Europe comme nous, la Ligue Europa. Non, c'est la C1. Donc c'est la C1. Et vous irez voir, on l'a mis sur Web Girondin. Le coach a partagé Pedro Martinez Losa. Il a partagé un des buts qui a été inscrit avec 36 passes.
réalisé par l'équipe avant que le but soit marqué. Ça fait à peu près 2 minutes de temps de jeu. Ça ah, va. Donc en fait, il travaille. Il travaille, oui, tout à fait. Ah, il joue pas la baballe du lundi au vendredi. Bon, après, il a ses échecs. Pas des balles aux prisonniers et des séances de jongle. Il a ses échecs aussi. Bizarre. Non, mais bizarre. Hein. Ouais, du coup, il marque des buts sur des constructions, pas sur des pénaltys chanceux ou sur des contre-attaques à 3 passes. Bizarre. Ouais. Allez, et rapidement. Oui, vas-y, rapidement. T'as 10 secondes. Ouais, Je serais curieux de savoir un peu ce que ça donnerait un match des féminines contre les masculins de Bordeaux. Bon, on le sait que ça donnerait. Il n'y aurait pas photo. Moi, c'est incomparable. C'est comme si tu faisais courir un athlète à 100 mètres. Pour donner un exemple, les joueuses de l'OL qui sont septuple championne de. Triple championne d'Europe, donc triple vainqueur de la C1, elles ont fait, c'était il y a 3 ans, je crois, un match contre les U16 de Lyon. Il y a eu 9-2 pour les U16. Voilà. C'est les différences physiques, c'est pas le même sport. Hein. Bien que le niveau augmente quand même chez les féminines. Bien sûr, ah oui. Par contre, oui, parce que là on parle de professionnel ou futur professionnel. Moi je joue avec Adi, moi qui jouais gardien, j'ai chaud en face de moi. Je vais chercher le ballon au fond des filets toutes les 10 secondes. Hein. C'est sûr, en tout cas bravo à elle. Un dernier mot là, allez, en une minute chacun. Ce compte Instagram, ce post Instagram de Aurélien Tchouaméni qui a été liké par certains joueurs des Girondins, où il se félicite Tchouaméni de la victoire de son équipe, Monaco. Et on a Oudin, Kalou, Jovanovic et d'autres qui viennent liker ce post. Est-ce que pour vous c'est insignifiant ou ça veut dire quelque chose, Gino? Moi, ça veut dire quelque chose, bien sûr. D'accord. Ben, quand on est joueur ou même quand on est une personne, hein, on doit regarder ce qu'on like ou comme ça. Pour moi, sur les réseaux sociaux, c'est quand même important. On ne like pas n'importe quoi. Et donc, faire ça, ben, ça veut dire que ça t'est insignifiant ce qui s'est passé ce dimanche. Et moi, ça me marque. Samuel. On pourrait dire que c'est le bon esprit, l'esprit Coubertin de féliciter l'adversaire. Maintenant, moi, comme l'a dit Gino… Ça m'emmerde quand même, même si c'est un super ami à moi, ça m'emmerde quand même d'être heureux qu'un mec m'ait foutu une belle fessée, quoi. Après, il y en a qui aiment ça, hein, mais moi, ça me fout les boules. Conan ? Bah, moi, c'est un peu pareil. Je comprends pas comment on puisse liker. Tu perds 4-0, tu dois plus avoir les dents et la mort qu'autre chose contre. Même si c'est un ami, même si c'est ton meilleur ami, tu vas pas lui dire ouais, merci de m'avoir mis 4-0. Joe. Ah, tu connais mon amour pour les réseaux sociaux. C'est pour ça que moi je suis pas trop dessus parce que je sais que tout est interprétation et c'est logique. Enfin, concrètement, ce qui a été fait, c'est normal que ça énerve les supporters. Maintenant, pour moi, c'est un réseau social. Voilà. C'est juste un réseau social, point barre. Voilà. Ok, bon, bah, écoutez, merci à vous. Merci à tous. Merci de nous avoir suivis. À tous merci ceux qui étaient là sur le chat. Merci, merci les gars. Ouais. Notre partenaire Vegas Streaming, allez-y, inscrivez-vous. Ça le soutient et ça nous soutient si vous voulez faire du sport. C'est une super offre. C'est même pas 5 euros par mois pour un an de remise en forme. Allez, salut à tous et à bientôt. Bye bye. Bonne soirée.